ensemble. Nous vous saluons, nos Yeshua, notre maître. Est-ce que ceux qui sont au fond, est-ce que vous entendez? Gloire à Dieu. Ce n'est pas évident pour vous, parce qu'il fait très très froid, très frais. Et votre. Y a-t-il des personnes dehors qui sont fragiles au niveau de la santé? Parce que comme il fait un peu froid. Ça va? Tout le monde va? Ou quelqu'un a-t-il besoin d'un manteau? Je ne sais pas pour. Ça va? Je savais. Dieu est grand. En venant ce matin dans le train, plus je m'approchais de Niort, plus la présence de Dieu est venue sur moi. Et c'était. Amen. J'étais comme un enfant, alors je me suis mis à pleurer dans le train. Et alors à chaque fois que les contrôleurs passaient, je faisais ça quand les gens passaient. C'était fort. Et je me disais, mais je pouvais me mettre au sol, par terre. Et c'était beau, c'était l'amour du Père. Et je pleurais parce que tout simplement Dieu est amour, Dieu est bon. Je pleurais de joie, de. Thank you.
Seigneur, garde-nous dans ta présence. Ta présence, Seigneur, nous est indispensable, vitale. Elle nous restaure. Elle nous soigne. Elle nous guérit, Père. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, le peuple que tu as acquis. Yeshua. Merci pour ton règne. Je sais que, Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Père. Et nous ne voulons rien d'autre, Seigneur, que toi, que ta présence, Seigneur, en toi. Oh, Père, rien que toi. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. De lui, on a du mal à s'en passer, se passer de lui, sa présence, sa grâce. Amen. Et
Alors ce matin, hier soir, avant de me coucher, je dis au Seigneur, je pars à New York, qu'est-ce que tu aimerais que je partage avec les frères et sœurs. Et pendant que je dormais, il m'a donné une vision dans laquelle je me suis vu partager une parole concernant la révision de la Bible. Et on partageait avec les frères et sœurs. Et je crois que ce travail concerne vraiment les élus qui sont destinés à prendre place. Et destinés au nord de l'agneau, destinés au ciel. Et partager sur cette révision, sur le réveil qui a déjà commencé. Le réveil de l'Église qui va partir parce qu'on n'a plus de temps. Et il est important que les enfants de Dieu, que les chrétiens dans les nations saisissent le temps dans lequel nous sommes et comprennent que les temps des nations arrivent pratiquement à terme, à leur terme. Donc il faut vraiment se préparer. Et en novembre 2013, la prière, j'ai posé une question au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? En 2001, je lui avais posé la même question. Et dans une vision, il m'avait demandé de mettre en place une association pour s'occuper des nécessiteux, des veuves, des orphelins. Et là, je lui ai posé la même question. Et pareil, dans une vision, il vient, il me dit, je veux que tu fasses la révision de la Bible. Je me suis réveillé après, je dis, Seigneur, moi, faire la révision de la Bible. Mais qui suis-je? Et il faut beaucoup de moyens pour le faire, tant spirituel que matériel et financier. Je me suis senti tellement petit. Et l'Esprit m'a rappelé une parole qu'il m'avait donnée quand j'étais en mission à Kinshasa, il y a 5-6 ans. Un frère était venu me voir pour me dire que le Seigneur va te demander un jour de faire la révision de la Bible. Sincèrement, je m'étais dit que cette vision, cette prophétie, cette parole ne venait pas du Seigneur. Et là, quand le Seigneur m'a parlé, après mon réveil, j'étais vraiment dubitatif. Et j'en ai parlé aussitôt aux frères et sœurs qui ont commencé à me parler en me disant qu'ils avaient reçu la même vision depuis des mois et des mois, voire des années. Et on se dit sur comment allons-nous travailler et pourquoi justement cette révision. Et je voudrais d'abord préciser aux frères et sœurs, aux enfants de Dieu, aux hommes et aux femmes qui cherchent Dieu, que ce que Dieu nous fait vivre actuellement, il le fait aussi à plein d'autres chrétiens dans le monde entier. D'accord? C'est-à-dire, ce feu de la Pentecôte, cette pluie qui va préparer l'Ecclésia à l'enlèvement, je le dis pour ne pas que l'on se dise, ah, il n'y a que nous qui vivons ces choses. Il y en a plein. D'accord? Donc c'est un réveil global de l'Église. Parce que l'Église ne peut pas être enlevée si elle n'est pas réveillée. La parole le dit. Il y a deux réveils, le réveil des faux chrétiens et le réveil de l'épouse. Selon Matthieu 25. À minuit, on nous dit la parole, on a crié, voici, l'époux vient. Et l'Église s'est réveillée. Donc, maintenant, quand vous regardez bien, vous qui cherchez Dieu, dans l'histoire de l'Église, à chaque fois qu'il y a eu un mouvement puissant de l'Esprit, il y a eu aussi en même temps une révision de la parole de Dieu. Amen. Et très honnêtement, cette tâche nous paraissait tellement énorme. Et on a commencé à faire des recherches.
Et le Seigneur a commencé à nous parler en nous disant que tous les livres qu'il m'a fait écrire pendant toutes ces années, c'était pour me former, me préparer à ce travail. Également le journal qui nous a fait mettre en place, les Okimos, avec cette équipe vraiment que le Seigneur nous a donné de qualité, merci Seigneur, c'était aussi pour cette vision. Et on a commencé à comprendre beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas hier. Alors on est parti sur la Martin de 1744 qui à l'heure actuelle est une des Bibles les plus, proches des Écritures telles que les apôtres les avaient reçues. Et je tiens aussi à vous signaler que la plupart, la Bible la plus répandue actuellement, que pratiquement tous les chrétiens ont, c'est Louis II. Et pour votre information, Louis II ne croyait pas que Jésus-Christ est Dieu. Il n'était pas si chrétien que ça. Et on se dit, mais Seigneur, mais c'est terrible. Et en faisant le travail de la révision, on s'est aperçu que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été, n'est-ce pas, insérées dans ce livre. Et c'était un travail de titan, aller à la source, faire des recherches, travailler l'hébreu, le grec, l'histoire, faire de plusieurs recherches, vérifier des vieilles Bibles comme la Bible de l'épée de 1540, la Bible de réformateur de Calvin. Et à chaque fois qu'on faisait ces recherches, on découvrait des choses qui sont là-dedans et qui ont été mal traduites. Des phrases entières qui ont été, quand on étudie l'hébreu, on s'aperçoit que des phrases entières avaient été négligées ou mises de côté volontairement. C'est impressionnant. Et d'abord, en fait, ce que je suis en train de vous dire de la part du Seigneur, c'est pour informer les chrétiens, pour vous préparer à ce qui va se passer, ce qui a commencé à se passer dans les nations. Il y a des tsunamis spirituels que le Seigneur a libérés et ça va réveiller l'épouse et ça va briser Babylone. Et c'est déjà le cas. Tous ceux qui vont se mettre à travers, n'est-ce pas, qui vont se mettre devant cette vague, ils vont s'opposer, ils vont être balayés, frappés, ça a déjà commencé. C'est impressionnant. Vous savez, notre Dieu est le Dieu du livre. Il ne faut jamais l'oublier. Il a toujours été le Dieu du livre. Les Hébreux constituent un peuple qu'on appelle le peuple du livre. Si ce peuple a pu tenir ferme, malgré, n'est-ce pas, toutes les épreuves auxquelles le Seigneur, n'est-ce pas, l'a soumis, si ce peuple a tenu ferme, c'est parce que, bien qu'étant dispersé dans les nations, n'ayant plus de patrie avant 1948, si ce peuple a tenu, c'est parce que justement, ils n'avaient plus de nation, ils n'avaient plus de roi, mais ils avaient le livre avec eux. Et vous savez, pourquoi nos églises sont si malades? Pourquoi on ne voit plus de conversions authentiques? Pourquoi il n'y a plus de guérison véritable? Pourquoi même l'argent, on doit faire des courbettes, on doit supplier les chrétiens pour donner. Pourquoi il y a tout ce système installé? C'est parce que, justement, on s'est éloigné de ce livre. C'est ça le problème de notre christianisme. C'est-à-dire, nous sommes nés dans des églises, dans des systèmes où on nous a appris à ne pas tenir compte de tout ce qui est écrit, à prendre des choses qui nous arrangent. Donc, du coup, comme Dieu est Dieu, tient à sa parole, il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors comment voulez-vous que Dieu accomplisse des choses véritables dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos réunions, si le livre est négligé,
À l'époque des rois, Nebuchadnezzar, Darius, quand un décret était signé par le roi, quand le roi Darius ou Nebuchadnezzar avait apposé sur une lettre, n'est-ce pas, sa signature, plus personne ne pouvait la révoquer. Et tout le monde devait se conformer au décret du roi. Le livre. Quand Pilate a écrit sur cet écritoire, celui-ci est le roi des Juifs. Vous savez, les pharisiens, les scribes sont allés le voir pour lui dire, non, enlève, qu'il a, même plutôt qu'il a dit. Pilate a dit, ce qui est écrit. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, on ne jouait pas, on ne peut pas s'amuser quand un décret était déjà signé. Toute personne, d'où qu'elle vienne, tout homme, toute femme, quel qu'il soit, devait se conformer à l'ordre donné. Le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons que Dieu agisse, mais nous ne voulons pas justement nous conformer au décret, n'est-ce pas, céleste, au décret du Père. Et c'est pour cela que Dieu a libéré un message depuis quelques années qui parle de la réforme des églises, qui parle du retour à la source. Et le problème se situe à ce niveau-là. Nos cultures, aussi bien africaines qu'européennes, tout ça, là, humaine, la culture humaine, est en opposition en permanence avec la parole de Dieu. Et frères, sœurs, ce que nous sommes en train d'expérimenter actuellement, là, nous choque. Vous voyez les organes repoussés. C'est-à-dire qu'on se dit, mais Seigneur, mais Dieu dit, c'est ma parole. C'est aussi simple que ça. Yeshua dit à cette femme, il dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité. Vous voyez toujours le livre. Hein? On lui pose une question. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Voyez? Il dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, aucune lettre de la loi ne disparaîtra. Aucune lettre. On voit des membres plus courts que d'autres qui s'allongent devant tout le monde. Qui s'allongent comme ça, ça dépasse. Et il faut ramener cela à la bonne hauteur. Nous disons aux gens, ne donnez plus l'argent, on a suffisamment d'argent par rapport à tel projet. Les gens disent, on va continuer à donner. Et ils continuent à donner, on ne sait plus comment ça. On est débordé. Le livre, le Dieu du livre. Vous savez, nous sommes en France. Nous sommes dans un pays organisé. Il y a des lois. Ce n'est pas l'anarchie. Il y a des principes, il y a des règles. Et toute personne qui ne respecte pas ces règles, n'est-ce pas, automatiquement se retrouve en conflit avec le gouvernement, avec l'État. C'est logique. Paul dit, les magistrats sont établis, n'est-ce pas, pour mettre de l'ordre. Et celui qui résiste à l'ordre établi résiste à Dieu. C'est clair. Dieu est le Dieu du livre. Il est le Dieu de l'organisation. Pas selon l'homme. Donc, le livre. Vous voulez bâtir, construire une maison en France, il faut vous référer à l'autorité. Vous voulez, n'est-ce pas, vous marier, il faut vous référer à l'autorité. Vous voulez, n'est-ce pas, apprendre à conduire, il faut vous référer à l'autorité. Tout tourne autour de l'autorité. Voyez? Alléluia. Amen. Donc voyez bien que l'autorité c'est quoi? L'autorité c'est qui? L'autorité vous dit quoi? L'autorité vous dit, voilà, il y a des lois qui régissent notre nation. Eh bien nous, chrétiens, nous sommes aussi dans un royaume. Et dans ce royaume, eh bien, nous avons une constitution qui s'appelle justement les Saintes Écritures. Amen. Et nous sommes tellement éloignés de ce livre que Dieu ne peut et ne veut plus agir. Parce que Dieu ne veut pas agir là où il n'y a pas le livre. Il est dit dans Psaume, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Et il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Il est dit dans Marc chapitre 16.
qu'ils sont allés prêcher l'évangile ici et là, et le Seigneur travaillait dans la Martin, coopérait avec eux. Et il accompagnait, non les hommes, mais il accompagnait sa parole. Amen. Dieu ne nous accompagne pas. Amen. Il accompagne sa parole. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Il ne va pas m'accompagner parce que je suis blond, noir, jaune, petit, grand, je ne sais pas quoi là. Non, il va m'accompagner parce qu'il m'a donné sa parole et je l'ai gardée. Et comme Jérémie disait, j'ai recueilli ta parole, j'ai rassemblé ta parole. Et je les ai, n'est-ce pas, tes paroles, je les ai dévorées. J'ai dévoré ta parole, je l'ai dévorée. C'est la parole de Dieu en toi qui va permettre au Seigneur d'agir. C'est la parole de Dieu dans ton pays. C'est la parole de Dieu dans ton cœur qui va, n'est-ce pas, libérer toutes les grâces de Dieu. D'accord? C'est important de le souligner. C'est pour cela, cette nuit, il m'a demandé de parler sur le livre. Le livre. Le Dieu du livre. Dieu n'est pas celui qu'on invite comme ça lorsqu'on fait nos organisations parce qu'on a besoin qu'il vienne agir. Non. Dieu est celui qui dit, qui donne un livre et ensuite, il vient, il regarde, est-ce que vous obéissez au livre? Oui. Et là, il agit. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'un mariage tienne, que doit-on faire? L'homme et la femme s'engagent devant l'autorité compétente, donc le maire de leur ville. Oui, le maire va lire, oui, à chaque fois, il va lire hein, une loi, voilà, et le livre de la loi, loi française, et les deux époux vont, n'est-ce pas, rentrer dans l'alliance devant l'autorité compétente qui est considérée comme serviteur, servante de Dieu. Et le mariage est scellé. Maintenant, si les deux conjoints commencent à se défaire de ce serment, eh bien, le mariage ne va pas tenir. Eh bien, Dieu qui nous a créés agit de la même façon, de la même manière. Quand il t'a appelé tel que tu es là, il t'a appelé comment? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce qu'on entend vient du livre. Je voudrais partager la parole. Je ne veux pas exciter les gens. On n'est pas dans les excitations. Là. On n'est pas. Il faut qu'on soit enseigné. D'accord? C'est pour ça qu'il faut écouter l'enseignement. Parce qu'il y a trop d'émotions et il n'y a pas de profondeur. Vous ne remarquez pas que nous sommes dans un temps où les vrais chrétiens sont fatigués de la religion. Qui a remarqué ça? Que les vrais chrétiens sont fatigués. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes éloignés de ce livre. Est-ce que ma vie, est-ce que mon assemblée, est-ce que ma nation, est-ce que mon pays est-il conforme au livre? Voilà. Waouh! Quand on va demander des choses au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me fasses ci, je veux que tu me fasses cela. Et Dieu dit, eh bien, as-tu le livre? Oui. Est-ce que tu te conformes à ce livre? Non. Eh bien, je ne peux rien faire pour toi. Alléluia. Amen. Voilà. Regardez, on est en France. Un étranger arrive dans ce pays. Et il va à l'hôpital pour se soigner s'il est malade. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Avez-vous hein, la carte vitale, tout ça? Non. Tout se rapporte à la loi, à l'organisation. Avez-vous des papiers? Eh bien non. Bon, on ne peut pas vous soigner. Voilà. C'est, certes, on va quand même le soigner parce que nous sommes dans un pays quand même où il y a quand même de la... miséricorde, la compassion, il faut le reconnaître. N'est-ce pas? Merci Seigneur pour cette nation que nous devons bénir constamment. Amen. Nous, Yeshua. Parce qu'aux États-Unis, dans notre pays, vous n'avez rien, on ne vous soigne pas. Vous mourrez. Frères, sœurs, eh bien, Dieu agit pareil avec nous.
Il est dit dans Malachie, le peuple pleurait. Le peuple disait, les Hébreux, où est le Dieu de la justice? Et Dieu dit, il y a un livre, il y a un livre de souvenirs qui est écrit. C'est écrit dans la Bible. Un livre de souvenirs pour ceux qui craignent mon nom. Regardez par rapport au jugement dernier. On nous dit que des livres seront ouverts. Donc vous voyez bien que Dieu est le Dieu du livre. Si vous ne le savez pas, il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui correctement. Dieu est le Dieu du livre. À chaque fois que vous voulez entreprendre quoi que ce soit, admettons que vous voulez vous marier, regardez la femme que vous voulez épouser. Comparez sa vie au livre. Est-ce que c'est la femme du livre ou ce n'est pas la femme du livre? Si elle n'est pas la femme du livre, si vous l'épousez, vous épousez la mort. Vous épousez, n'est-ce pas, des problèmes. Vous êtes une femme, vous rencontrez un homme, comparez sa vie au livre. D'accord? Vous allez dans une assemblée, eh bien c'est ça, comparez-la au livre. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, quand je vois dans ce livre, je vois Dieu dit, hein, je le vois dire que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est là. Il n'a pas dit là où deux ou trois s'assemblent au nom d'un bishop, d'un apôtre, d'un prophète en son nom. Or, son nom nous dit Apocalypse est la parole de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, tout, en fait, deux ou trois qui s'assemblent au nom du livre. Amen. D'accord? Le Dieu du livre est là. C'est aussi simple que ça. Bien évidemment, quand on veut suivre le livre, on va être l'ennemi de tout le monde. Mais vous devez savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez le Dieu du livre et avec la persécution qui va avec, ou soit vous ne voulez pas le Dieu du livre et vous voulez être aimé de tout le monde. C'est là souvent que ça coince. Alléluia. Amen. Oui, on veut le beurre et l'argent du beurre, mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, soit vous prenez le livre, et tout ce qui est écrit dans ce livre va vous arriver. Toutes les choses, le rejet, les blessures, la persécution, tout ça, la solitude, l'incompréhension. Mais et ensuite, le feu. Des conversions, des délivrances, des guérisons, des miracles. La vie éternelle par-dessus tout. Ou soit vous ne voulez pas de ce livre, ou vous voulez la moitié. 70% du livre, 30% c'est pour moi. Vous voyez, je prends 90%. 99,99%. Sur ce petit pourcentage, là, c'est pas grave. Dieu dit, si, c'est grave, justement. Parce que si vous mettez dans une corbeille, 10 oranges, saine et vous en mettez une, n'est-ce pas, pourrie, eh bien revenez deux ou trois jours après, vous verrez qu'il va y avoir contamination. Eh bien c'est ça, Dieu ne veut pas qu'il y ait du levain. Le Dieu du livre est très exigeant. Honnêtement, parfois je ne te comprends plus, Dieu. Honnêtement, je ne me cache pas. Mais tu te dis, mais que ferais-je? Où irais-je? De toute façon, il m'a eu. Comme il t'a eu, certainement aussi. Alléluia! Dieu est grand! Le Dieu du livre, il dit aux apôtres, montez dans la barque et traversez la mer. Ils sont tous précipités dedans. Mais le Dieu du livre, mes amis, envoie aussi la persécution. Le vent contraire. Alors, regardez ce qu'il dit dans Agée, chapitre 1er. La deuxième année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de Yahweh fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle Yahweh des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu,
le temps de rebâtir la maison de Yahweh. Voyez, ce peuple était le peuple de Yahweh. Mais on remarque une chose ici. Ce peuple, nous dit la parole, n'avait pas de discernement. D'accord? Regardez mes amis. Vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans vos vies, vos familles, vos ministères? Alors, demandez à Dieu de vous donner le discernement. D'accord? Amen? Amen. Quand les gens me posent des questions, frère, c'est quoi ton secret? Je leur dis, un de mes secrets, c'est le discernement. Quand Dieu me dit, quitte cette fonction, passe à autre chose, même si ça doit me coûter beaucoup, j'arrête, je passe à autre chose. Quand Dieu m'a dit, juste un exemple, par rapport au temps, nous parlons du livre, nous parlons du temps. Quand Dieu m'a dit, retire-toi de la fonction apostolique, ne n'aie plus de charge là à vouloir gérer ici et là, toi crie maintenant dans les villes. Si je n'avais pas obéi, je serais mort spirituellement et physiquement. Et parce qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. D'accord? Et je l'ai fait. Et ensuite, quand on a commencé le programme de réveil, il y a 2 ans et demi, quand on a commencé, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tout ça, et tac, le Seigneur a commencé à faire des choses, des miracles, au point où on est complètement débordé, et il me dit, le 6 décembre, tu passes encore à autre chose. Pourtant, les gens se disent, mais avec toute cette foule qui arrive du monde entier, mais comment Dieu me dit, passe à autre chose? Dieu est le Dieu du temps. Or, le peuple de Dieu est souvent hors du temps. Hors le temps de Dieu. Comment voulez-vous récolter des fruits hors le temps de la récolte? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une femme qui tombe enceinte, dont la grossesse, n'est-ce pas, n'est pas encore à terme. Une femme qui est enceinte de 3 mois. Même si elle veut avoir allaité cet enfant, c'est impossible. On est d'accord? Il y a beaucoup de gens ici, ils ont passé leur temps. Ils ont perdu le temps de Dieu. Il faut qu'ils le retrouvent. Ça peut être, je ne sais pas, un frère, une soeur. Dieu marche. Il dit là, ce n'est plus le temps pour toi de rester assis ou de marcher. Il dit là, il faut t'asseoir, là, il faut marcher. Voilà comment il fonctionne. Et le peuple ici dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison, alors que le temps était venu dans l'horloge de Dieu. Amen. Tout comme actuellement, le temps de l'enlèvement est là, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens sont encore dans une autre vision. Ils sont encore dans autre chose. Ils sont encore dans du réchauffé, la nourriture d'hier. Il nous faut des trompettes, il nous faut des chauffards, il nous faut, je veux dire, des gens qui ont le chauffard, pas des gens qui conduisent mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Des sentinelles dans la maison du Père. Sentinelles, quel temps fait-il dans l'horloge de Dieu? Quel est le message pour notre génération? Regardez les enfants que nous avons eus, pour ceux qui ont des enfants. Vous ne pouvez pas donner, mes amis, n'est-ce pas, de la viande à un bébé de 2 mois. Cette nourriture ne correspond pas à son organisme. Son organisme n'est pas adapté à cette nourriture. Le temps. On voit les signes dans les nations qui annoncent le retour imminent du Mashiach. On le voit, n'est-ce pas? On les voit, ces signes-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est un autre message qu'on véhicule, c'est autre chose. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, frère? Eh bien, le peuple du livre passe à côté. Dieu dit, n'est-ce pas, il faut rebâtir la maison. Pourquoi? Parce qu'il allait déverser sa gloire. Eh bien, rebâtir ici, c'est quoi? C'est revenir à la fondation, revenir à la source. C'est la réforme, c'est la réformation. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter plusieurs personnes. Suivez bien. Il appelle un prophète âgé. Donc, quand Dieu, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église, à chaque fois qu'il a, n'est-ce pas, visité son peuple, il a suscité des prophètes et des prophétesses. Il a suscité des gens, des sentinelles, des intercesseurs, des hommes et des femmes, sur les, n'est-ce pas,
les cœurs de quel, dont les cœurs étaient remplis du fardeau pour les âmes. D'accord? Des hommes et des femmes qui pleuraient, gémissaient pour le salut des âmes. Et ces hommes et ces femmes du livre, ces hommes prophètes et prophétesses, criaient ici et là. Et c'est ce que Agé a fait. Dieu l'a visité. Et Agé, nous dit la parole, n'est-ce pas, va être un homme du livre, suscité dans une époque où les gens, les Hébreux, ne faisaient plus attention aux écrits. Et Dieu dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. C'est pourquoi la parole de Yahweh leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Regardez, soyons honnêtes. Je veux parler aux chrétiens du monde entier. Et en parlant ici, ce n'est pas un peuple en particulier que je vise. Je vise, n'est-ce pas, tous les enfants de Dieu, les inconvertis, moi-même. Regardez, soyons honnêtes, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous ne pouvons que remarquer, constater que, mes amis, nos assemblées sont malades. Nos pays sont malades. Nous ne pouvons que constater que nous sommes dans une génération où il y a un taux très très élevé de cancer. Il y a 22 ans ici en France, quand on était encore au collège, il n'y avait pas autant de cas de cancer. Pratiquement, mais beaucoup de gens aujourd'hui sont touchés par le cancer. Les AVC, les infarctus, tout ça là. Donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par, de diverses maladies. Et on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et Luc le dit, le Seigneur le dit, il y aura de plus en plus, à la fin de temps, des problèmes, divers problèmes, et on le voit. Cancer du sein, cancer de l'estomac, cancer de telle chose, cancer de tel organe. On se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe là? Telle affaire, un AVC, telle affaire. On se dit, Seigneur, mais waouh, mais voilà notre génération. Et bien, quel est le temps actuellement? Qu'est-ce que Dieu dit? Remarquez les gens, ils sont malades. Les gens viennent nous voir malades. Hier, ceux qui ont suivi le témoignage, cet homme qui a témoigné, guéri par le Seigneur de la prostate. Il y a 2 semaines, il était venu disant, frère, j'ai un cancer de la prostate. Je lui ai dit, mais ça, c'est pas un problème, Dieu va te guérir. Il dit, c'est guéri. Il est parti faire des examens, il n'y a plus rien. Dieu lui a donné la prostate d'un enfant de 20 ans. Le médecin, il gratte la tête. On se dit, mais frère, s'il y a autant de maladies incurables, il nous faut le Dieu qui, dont le nom est Yahweh, enfin. Vous avez vu cette jeune fille hier qui a témoigné? À l'âge de 3 ans ou 4 ans, en tout cas à l'âge de. Elle était encore bébé, quand on lui a enlevé le rein gauche. Et le rein droit commençait aussi à tomber malade. Et elle avait des sondes pour uriner. Et sa maman est venue pour dire, voilà, ma fille est malade. Je lui ai dit de la part du Seigneur, mais Dieu m'a dit qu'il a guéri, c'est fini. Allez faire des examens. Ils sont partis faire des examens. Et le médecin disait la femme hier, grattait sa tête. Le médecin leur dit, mais c'est la première fois que je demande à un patient de ne plus utiliser ses, n'est-ce pas, sondes pour uriner. Parce que le rein est complètement restauré, guéri. Et frère, ça ne s'arrête pas là. Hier, Dieu m'a mis à cœur de prier pour que l'autre rein repousse. Et je vous dis, ça va repousser. Aujourd'hui et éternellement. Moi je dis, si le Dieu du livre n'est plus avec moi, je ne peux plus ouvrir ce livre. Je n'ai pas besoin de te dire de venir prier avec moi. Non. Le Dieu du livre est celui qui appelle lui-même les gens en leur disant, allez là-bas. C'est ça le message, frère. Écoutez bien la parole du Seigneur, mes amis. Je ne suis pas satisfait. C'est ce que Dieu m'a promis, je ne l'ai pas encore vu. Je vous dis. Vous avez vu hier cette femme qui était assise là-devant? Elle avait les jambes en compote. Elle ne pouvait pas. Elle était malade. Je la vois, je dis, mais on me fait signe.
Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais elle veut se faire baptiser, mais elle ne peut pas marcher. Dieu m'a dit, ne lui impose pas les mains. Fais seulement, frôle seulement les jambes comme ça, là, c'est bon. Et j'ai fait ça. C'est bon. Allez vous faire baptiser. Elle se levait, elle est partie se faire baptiser. Guéri. Fini. Je me dis, madame, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ne font pas semblant? Mais ils amènent des preuves médicales. Non, frère, Dieu est trop fort. Amen. La dame qui a témoigné hier, la dame française de souche, elle avait sa béquille quand elle est venue condamner une femme handicapée, rejetée dans les assemblées. Quand elle est venue, elle était complètement enfermée, complètement morte. Là, elle a reçu le feu, elle commence à évangéliser, elle laisse sa béquille, elle avait des chaussures orthopédiques. Et là, complètement guérie, elle a des chaussures normales, hier elle a témoigné, elle a pris ses chaussures orthopédiques, elle les a appris. Moi je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les gens arrivent 5 heures à l'avance, ils viennent la veille. Sylvain m'appelle tout à l'heure pour me dire, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont arrivés la veille ici. Et là, je dis, mais ça c'est... Frère, Dieu m'a dit, les gens vont commencer à arriver une semaine en avance. Je vous dis, parfois en France, que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Qui vous a dit que Dieu n'aime pas la France? La France va envoyer des missionnaires dans les nations. Écoutez bien un peu. Il est temps d'expérimenter autre chose avec Dieu. Les blablabla, c'est fini tout ça. On n'en peut plus, tout ça. Les blablabla. Oh, Dieu va faire. Ma Bible dit que Dieu est accompli. Quand tu dis, il va faire, mais c'est compliqué. Amen. Hier, Dieu me dit, prie pour une fille qui s'appelle Amanda. Armanda. Je ne sais plus, j'ai oublié. Armanda, oui, Armanda. Il dit, mais Armanda est où? Et à la fin de la réunion, mon téléphone sonne, une jeune fille comme ça, en Irlande, Armanda, qui appelle. Les gens tombent chez eux en suivant les enseignements, les vidéos, les messages. Plaqués au sol, des démons qui sortent, des handicapés qui se lèvent chez eux, des sourds qui sortent, mais des choses, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas seulement dans un pays, c'est tous les pays. Les gens appellent, ils disent, on va louer cette salle, venez, on va louer telle chose, venez, mais partout, le feu, ça prend frère. Je me dis, mais Seigneur, ils disent, ce n'est que le commencement. Frère, vous verrez des choses qui vont vous révolter, qui vont vous choquer. Il y en a ici, on va les traiter de magiciens, tellement que tu vas se servir d'eux. Rebâtir la maison de Dieu. Amen. Il y a maison et maison. Amen. Et c'est nous qui sommes la maison de Dieu, frère. Amen. Frère, vous voyez, ici, on a pris cette salle-là, mais il n'y a plus de place. Les gens sont dehors, dans le froid. Tu sais pourquoi? Dieu nous enseigne quelque chose. Il nous montre que, frère, c'est le temps maintenant d'aller dans les parcs, d'aller dans... Je vous dis, hein, vous allez, même ici à Lyon, vous allez voir ça. L'été, dans les parcs, des foules vont arriver, les médias vont venir. Mais qu'est-ce qui se passe? La police va arriver, la police va être visitée par l'onction de Dieu. Alléluia! On commence à le voir à Paris. Les frères sont là dans les gares. Les policiers viennent pour les arrêter parce qu'ils crient. Ils crient, Yeshua revient. Les policiers, là, essaient de les virer, ensuite on leur prêche la parole, et dans les coulisses, ils viennent, ils vont voir les frères. Donnez-moi, tu peux les virer. Donnez-moi, c'est le frère. Alléluia! Et on le voit, il va écrit. Moi, je suis policier, j'en ai reçu une la dernière fois, samedi dernier. Tout ça, visité par Dieu. Frère, mais c'est impressionnant. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le temps.
vous n'avez pas saisi, chrétien, enfant de Dieu, vous n'avez pas compris. Quel temps, quel message, la vision, qu'est-ce que Dieu dit actuellement? C'est le temps de rebâtir. Rebâtir quoi? La maison. Mais la maison, c'est qui? C'est nous. C'est quoi? C'est nous. Nous sommes la maison. C'est le temps d'être rebâti. Alléluia! Yeshua a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, Yeshua, je bâtirai mon église. Tiens, ton voisin, je suis l'église de Dieu. J'appartiens à Dieu. Alléluia! Frère, Yeshua, l'architecte par excellence, a pris soin de te bâtir. Mais est-ce que tu te rends compte? Il dit, je bâtirai mon église et les portes de Hadès, de l'enfer, ne prévaudront point sur elle, contre elle. Est-ce que tu te rends compte? Donc quand tu rebâtis quelque chose, l'enfer se lève. Voilà. Vous devez comprendre cela. Voilà pourquoi Dieu dit, je bâtirai et l'enfer ne pourra rien. Donc quand Dieu commence à construire, à bâtir, à rebâtir, les ennemis se lèvent partout, les Sambala, les Tobija. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas être freinée par les hommes. Parce que personne ne peut empêcher Dieu de guérir. Dieu guérira. De vidéos contre toi, c'est normal que les gens se lèvent. Ils doivent faire la publicité parce que personne. Quand Dieu a formé Adam, le diable est à côté. Le serpent était dans le jardin que Adam cultivait, que Adam arrosait, que Adam gardait. Parce que le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la réforme est le Dieu de la confrontation. On l'appelle le Dieu des armées. Il n'a pas seulement une armée, mais il a plusieurs armées. Il se trouve que l'onction qu'il a mise sur toi est une onction qui aime la guerre contre les puissances. Des choses. Oh, il y a des choses. Jésus. Les choses qui étaient détruites en toi. La pelle qui a été complètement remise en cause. Les dents qui sont complètement touchées. Voici. Il y a quelque chose ici. Il y a un fleuve d'eau vive. Il y a un fleuve d'eau vive. Ici, il y a un fleuve d'eau vive. Oh Dieu d'Israël. La nuée est ici là. La nuée est ici là. Ouh là, mes gars. Un décret a été signé depuis le ciel pour que les chrétiens qui construisent la maison du Père soient rebâtis. Et Dieu dit, je vais rebâtir ton couple, je vais rebâtir ton appel, je vais rebâtir ta famille, je vais rebâtir ton ministère. Le Dieu des armées s'est levé. Celui qui t'a créé s'est levé. Personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ce ministère. Personne ne peut t'empêcher d'être enlevé pour aller au ciel lors de l'enlèvement de l'église. Personne ne peut te détourner.
Oh! Il se passe des choses ici. Il s'appelle. Wow! Jesus Christ. Woo! Tous ceux qui ont la semence d'Élie, ceux qui sont là. Voilà la gloire. Jesus, Lord my God, I need you, Lord my God. I need you, Lord. I need you. Pourquoi Dieu veut te rebâtir? Parce que la gloire arrive. Il reviendra chercher l'église dans la gloire. Et comme il revient, alors il doit te préparer pour vivre dans la gloire, pour expérimenter la gloire, la Shekinah. La Shekinah te poussera à haïr le péché, à détester le péché. La Shekinah va mettre un périmètre de protection, de sécurité autour de toi. La Shekinah va libérer, n'est-ce pas, va briser les chaînes de ta famille. La Shekinah, ma fille, venue le Seigneur, va libérer ta vie de ces problèmes de santé. La Shekinah va permettre à Dieu du livre d'exécuter toutes les promesses qu'il t'a faites. Ces deux entités démoniaques, ces deux démons que le diable lui-même. À genoux! Tu ne peux pas me menacer. Au nom de Yeshua. Tu sais quel Dieu je sais. Vous vous rendez compte vous-même, vous voyez vous-même. Hein? Vous voyez la gloire de Dieu? Voilà. Restez calme. Ne vous inquiétez pas. Vous savez comment Dieu opère. Ce démon contrôle cette jeune femme que tu as mandatée depuis des années. Et Dieu est le Dieu qui nous rebâtit, qui veut nous rebâtir, nous restaurer. Et il y a un mur de protection autour de moi, comme vous le savez, les démons ne peuvent rien. Il nous a mandaté. D'accord? La Bible dit que tout genou doit fléchir. C'est ma fille. Quel est ton nom? Je suis sa maman. Quelle est ta mission? Nous sommes une légion en elle. On va la tuer. Vous n'allez pas me tuer parce que... Elle prie jour et nuit. Elle jeûne jour et nuit. Je lui ai envoyé le cancer du sein. Ça n'a pas marché. Les fibromes, ça n'a pas marché. Je lui ai envoyé une maladie auto-immune. Ça n'a pas marché. Je lui ai envoyé l'embolie pulmonaire. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Tu veux la délivrer? Ce n'est pas moi, c'est Yeshua. Il m'a dit, va et libère mon peuple. Alléluia. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Sauveur? Jésus. Qui est Dieu? Jésus. Qui délivre? Jésus. Qui sauve? Jésus. Qui est le Seigneur? Jésus. Alléluia. Il y a aussi légion. Il y a eu une légion dans la Bible. Un homme possédé par une légion. En fait, cet homme-là, dans Marc chapitre 4, qui était possédé par cette légion, et Marc 5. Tais-toi. En fait, c'était la légion romaine, qui comptait entre 3 et 6 000 démons. Je suis sa mère, sa soeur, sa soeur.
sa sœur Geneviève. Donc, une association de sorciers de la famille. Maintenant, ce n'est pas moi qui délivre. C'est le Dieu du livre. Amen. Qui a dit que tout genou doit Jésus. J'ai vu deux démons principaux l'encercler, deux entités. Tu es cette fille, elle prie. Elle le prie. La nuit, c'est fait pour dormir. Elle dort pas, elle prie. Amen. Amen. Les anges guerriers sont arrivés. Ils sont en train de chanter avec les séraphins, les chérubins, en chant que Dieu m'a fait entendre. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Chantez ce chant-là. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. En Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu lui a donné l'esprit souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue que Jésus Christ est Seigneur. Alléluia. Père, nous avons aujourd'hui, comme tu le sais, affaire aux esprits humains, aux sorciers, aux sorcières de sa famille. Cette femme qui est arrivée ici, papa, devant toi et devant les anges et le peuple que tu as appelé, cette femme est venue parce qu'elle a besoin de la délivrance. Amen. Et je crois que tu l'as déjà affranchie. Amen. C'est pour cela, femme, voici le décret royal au nom de Yeshua, Jésus-Christ que je sers. Je veux nommer le Seigneur. Jesus. Jesus. On s'en ira pas. Jesus. On s'en ira pas.
Jesus. Papa, on va vivre en elle. Jesus. Elle n'aura pas d'enfant. Je brise toutes ces paroles. Maintenant. Au nom de Jésus. Allez, sortez. Jesus, my soul is you, Jesus. Au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Femme, Jésus-Christ que je sais, te rend libre aujourd'hui. Il libère ta vie familiale. Il libère les enfants que tu vas avoir. Il libère le mariage. Au nom de Yeshua, je prophétise ta libération. Je prophétise ta restauration. Je prophétise ta guérison. Au nom de qui? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Jesus. Alléluia. Oh, au nom de Yeshua, les esprits humains travaillent comme ça. Vous inquiétez pas. Là, ce ne sont pas les démons. Ce sont les esprits humains. C'est des sorciers de sa famille. Mais ils sont en train de partir. Et c'est fini. C'est fini. Fini. Levez nos mains. Jesus Christ. Oh, Jesus. Oh, oh, Jesus. Allez, sortez maintenant. Je vous donne l'ordre maintenant, revenez ici. Là. Ici. Ne bougez plus en part. Voilà. Asseyez-vous maintenant, c'est bon. À genoux. Non. Je dis à genoux. Non. Je dis à genoux. Elle nous appartient. Je dis à genoux. Elle nous appartient. C'est au nom de Yeshua que je vous donne cet ordre-là. Ne bougez plus encore. Voilà. Tais-toi, je ne te pose pas la parole, fini. Voilà. Là, c'est l'autorité gouvernementale. Voilà. Ce livre est la parole de Dieu. Quand on prêche la parole, l'évangile, Dieu envoie, permet l'adversité pour démontrer à tout le monde qu'il est Dieu. Amen. Là, au nom de Jésus-Christ, on a fermé la bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on empêche de bouger. Et maintenant, au nom de Yeshua, à genoux. Maintenant, si c'est Shora qui a écrit la Bible, là tu ne bougeras pas. Là tu ne peux te mettre à genoux. Mais comme c'est Dieu qui l'a inspiré, et que ma Bible me dit que tout genou doit fléchir, c'est un ordre que Dieu a décrété, qu'il a donné. Et il m'a mandaté pour proclamer l'évangile, et tu le sais, et tu le sais. Je dis maintenant à genoux, au nom de Yeshua. Et cette sœur qui est ma sœur est aujourd'hui, n'est-ce pas, concernée par sa délivrance, par sa restauration, au nom de Yeshua, maintenant. Merci Père. J'aime l'évangile, je ne t'autorise plus à parler. Après cette délivrance, il y aura plein d'autres délivrances. Les hépatites qui vont disparaître. Oh Lord my God. Oh, je bénis ton nom, Père, pour la grâce que tu nous as fait. Tu nous as fait une belle grâce. Cette femme que les démons, que les sorciers tenaient enfermée. Ils l'ont enfermé dans une cage. Ils l'ont enfermé depuis son pays. Ils l'ont enfermé. Des années de pleurs, de souffrances, des années de blessures, des années de condamnation, des années de misère. Et Dieu, actuellement, avec une épée que je vois, est en train de briser des chaînes au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Il brise des chaînes, il brise des chaînes au nom de Yeshua, au Dieu de gloire. Dieu d'Abraham, est-ce que vous croyez que Jésus peut faire quelque chose pour elle? Oui. Est-ce que moi je peux? Non. Est-ce que vous, vous pouvez? Non. Qui peut ici? Jésus. Vous croyez que Jésus peut vraiment le faire? Oui. Oui, je le crois aussi. Vous le croyez là? Honnêtement? On y va. Merveilleux Père. Ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth que je sais, c'est lui pour le pire, n'est-ce pas? C'est lui. Celui qui t'a appelé, qui t'a établi, qui t'a, n'est-ce pas, poussé de venir jusqu'ici. Je dis ce Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, de dire ma fille et de lui faire. Maintenant, à genoux.
toute la gloire, Jésus. Pour ce beau miracle. Il y avait deux démons qui étaient autour d'elle toute l'heure. Comme des gardiens, des espions, des surveillants. Et elle avait plus de 3000 démons. La Légion. Une telle délivrance dans le système religieux, il faut des jours et des jours de jeûne. Et ayant vécu pendant des années dans le système religieux, quand on avait affaire aux légions, on pouvait rester toute la nuit et encore, on n'y arrivait pas. On demandait à la personne de rentrer dans des jeûnes, de longs jeûnes. Un démon chassé, ok. Là, en plus des démons, en plus de ces entre 3 6000 démons, il y avait des esprits humains. Et les esprits humains ne partent pas comme ça. Parce que c'est des hommes comme vous et moi. Et frères et sœurs, elle était dans une cage et complètement bandée. Et c'est pour ça que vous avez vu, elle était en train de faire des gestes comme ça pour enlever les choses. Et là, ce qui va se passer, ce que Dieu me dit, c'est les esprits humains, pas les démons, mais les esprits humains, les membres de sa famille, elle doit les appeler pour leur dire que si elle ne se reporte pas, ces personnes, Dieu m'a dit, c'est la mort qui arrive. Et là, toutes les maladies qu'elle avait, elles tous. Il y a un autre démon qui m'insulte ici. On acclame le Seigneur. Ce démon m'insulte. Il est en train de m'insulter encore. Cette femme souffre depuis des années à cause de la présence de ce démon dans sa vie. Je veux que tu quittes son corps toi-même. Elle est fatiguée, c'est normal. Épuisée. 3000 démons, c'est 3000 forces. Et la force est multipliée par 3000. Le deuxième démon qui m'insulte, qui est très très en contre Dieu, contre cette réunion, contre nous, contre moi, est un démon qui a été dépêché, envoyé par un homme qui en veut à ta vie, ma soeur. À cause de la colère, de la jalousie, cet homme a dépêché cet esprit pour venir manger ton corps, détruire ton corps. Et ce démon consume ta vie de l'intérieur. Et le Seigneur t'aime. Au nom de Yeshua, il te sort de ce trou. Quitte-la. Je veux que tu la quittes maintenant. Sors de ce corps. Je dis sors de ce corps. Je ne veux pas arriver jusqu'à toi. Mais toi-même, tu vas arriver jusqu'ici. Cette femme que tu détruis depuis des années. Au nom de Yeshua. Il y a un troisième esprit ici qui veut provoquer un cancer. Oh Dieu du Seigneur, au nom de Yeshua. C'est ce démon de cancer que je viens de voir. Ce démon de cancer est en train de. Il est très très laid, il est très sale. Il a des excréments partout dans tout son corps. C'est moche. Ce cancer, ce démon.
il s'en va maintenant dans le nom de Yeshua. Tu vas prendre tes affaires, tu vas t'en aller et ne plus revenir dans ce corps au nom de Yeshua. Yeshua, triomphe de toi au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Tu vas partir maintenant. Je dis, tu pars maintenant. Maintenant. Je ne veux plus t'entendre. Je veux que tu partes. Tu m'entends? Au nom de Yeshua. Juste jouer son nom et Jésus. Vous savez, Dieu dit à Jérémie, ce qu'il vient de me dire, avant de bâtir, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Détruire, hein, arracher, abattre et ruiner. On est d'accord, hein? Amen. Je t'ai établi, Dieu lui disait, pour arracher, pour abattre, arracher, détruire et ruiner. Quatre actions, n'est-ce pas, qui parlent la destruction des œuvres de l'ennemi, devait être déclenché pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre au Seigneur de bâtir, de restaurer. Donc quand Dieu dit dans Agé, le temps de rebâtir la maison est arrivé, Dieu ne peut pas rebâtir ta vie sans, n'est-ce pas, d'avoir détruit au préalable toutes les mauvaises choses qu'on a mis en place. Le péché, la sorcellerie, la mauvaise compréhension des choses du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, il va y avoir beaucoup de délivrance. Ça a déjà commencé. Je vous dis, des maris, des nuits, des femmes, des nuits, des gens qui sont dans des cages, dans des bocaux, que Dieu va libérer. D'accord? Regardez, frère. Je veux encourager tous les vrais enfants de Dieu. Je me suis converti en 86. Pendant les anciens, la parole Dieu peut libérer les gens. Ne vous occupez pas de laisser Dieu faire son œuvre. Quand je me suis converti dans cette église pentecôtiste, je me disais, je connais un petit peu, on vivait Dieu, il y avait le réveil. Mais Dieu savait qu'il devait nous amener là, là où nous sommes aujourd'hui. Mais vous avez vu le parcours? Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il a commencé par détruire d'abord en moi toutes les mauvaises doctrines. D'accord? Et c'était... Il fallait qu'il arrache. Il fallait qu'il les ruine. Il fallait qu'il abatte. Parce que son but, c'était de rebâtir. Quand Dieu rebâtit quelque chose, frère, il y a trop de pleurs. Tu vas pleurer, tu vas souffrir, tu vas gémir. Tu auras l'impression que Dieu ne te connaît plus. Qui t'a abandonné, qui t'a délaissé. En 99, il me dit, commence une œuvre à Paris. J'ai commencé. Il y a eu le réveil tout de suite. Des guérisons, des miracles. En moins de 3 ans, on se retrouve avec plus d'une foule de personnes. Ici et là. Et qu'est-ce qu'il est venu faire Dieu? Il voulait, n'est-ce pas, encore battre. Parce que c'est le Dieu qui ne cesse de bâtir, rebâtir, tout ça, jusqu'à notre mort. Amen. Alléluia. Donc à chaque fois, il cassait. Il dit dans Jean 15, je suis en train de t'émonder. Hein? Dans Jean 15, il dit, si celui qui n'est pas émondé ne peut pas porter plus de fruits. Émondé, c'est quoi? C'est séparé. La séparation. Vous savez pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu beaucoup ici? Pourquoi dans nos assemblées, dans nos pays, il n'y a plus la gloire? C'est parce que nous ne voulons pas être émondés par Dieu. Les mondages constituent les branches qui ne. Des parasites. Les branches mortes qui alourdissent nos vies. Ces branches peuvent représenter la chair, ta chair, ma chair, le péché, la mauvaise compagnie, les amis auxquels on est fermement attaché sur le plan sentimental, émotionnel. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu a commencé à me tailler. J'ai eu des moments où je disais, Dieu m'a oublié. Satan est venu me voir dans les songes.
il m'a dit, Dieu t'a oublié, il t'a abandonné. Je t'avais proposé les belles choses, tu as refusé. Alors je dormais. Il m'a dit, suis-moi, viens. Il y a eu des moments pratiquement de dépression. Limite. Parce que Dieu était en train de rebâtir quelque chose de nouveau. Yeshua a dit, je viens avec l'épée pour séparer. Vous voulez voir la gloire de Dieu, mais vous êtes mal connecté. Connecté à la chair, connecté au péché, connecté à la mauvaise compréhension du royaume, à la mauvaise compréhension de la parole. Voilà pourquoi il n'y a pas de fruits. Parce que si vous voulez aller plus loin, vous avez 3-4 branches pourries autour de vous. Mais ça vous bloque. Le principe de Lot et Abraham. La séparation pour aller plus loin encore. Et je vous assure, frère, rebâtir implique beaucoup de souffrance. Beaucoup de pleurs. Beaucoup de souffrances, de difficultés. Et c'est ce que Dieu fait en ce moment. Et vous savez ce peuple-là, dans Agé, à qui Dieu a demandé de rebâtir le temple. Savez-vous d'où sortait ce peuple? De quel pays? Il sortait de Babylone. Ah oui. Comment voulez-vous que Dieu vous rebaptise si vous restez dans Babylone? Il commence par vous dire, sortez! Quand il m'a dit de sortir, vous savez quand? Ça remonte à quand? À quand? Dieu m'a dit cela. Quand est-ce qu'il m'a dit cela? Il y a 12 ans, il m'a donné une vision pendant que je dormais. Apocalypse 18:4. Mon peuple sortait du milieu d'elle. De Babylone. Je me suis réveillé ce jour-là. Je me suis dit, qu'est-ce que ce verset veut me dire? Sortir, quand tu dis sortez, ce n'est pas sortir qu'une seule fois. C'est sortir en permanence. Ben oui. En fait, en hébreu, dans l'hébreu biblique, il n'y a pas le futur, le passé, il n'y a que le présent. D'accord? Donc nous sommes en train de sortir. Quand Dieu dit aller dans les nations, ce n'est pas aller une fois et se reposer. Nous sommes tout le temps en action, en mouvement. D'accord? Ce sont les verbes qui se conjuguent au présent. Faites, toujours faites. Toujours. Ce peuple était sorti de Babylone et Dieu dit, voilà le temps favorable pour vous pour rebâtir. Mais il ne pouvait pas le faire, le Seigneur ne pouvait pas le faire pendant qu'ils étaient à Babylone. Il fallait sortir. Mais sortir va vous coûter cher. Sortir va te coûter l'amitié, ton amitié. Mais il faut choisir ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu es dans cette église pentecôtiste depuis combien de temps? 15 ans, 20 ans? Est-ce que vous expérimentez Dieu là-dedans? Je parle à quelqu'un ici qui est pentecôtiste. Personne ne va parler de toi. Mais Dieu me parle de toi parce qu'il te connaît, parce qu'il t'aime. Il me pousse à te poser une question. Cette question, depuis que tu fréquentes cette assemblée, est-ce que tu expérimentes ma gloire? Tu as la réponse. Le problème, c'est qu'on veut Dieu, mais on ne veut pas sortir. Quand il m'a dit sors, beaucoup m'ont dit, non, il ne faut pas donner l'autonomie, il ne faut pas sortir. Dit, non, Dieu m'a dit de sortir. Mais non, mais comment on va faire tout? Dieu m'a dit de sortir. Vous m'avez trouvé, j'étais seul, non. Maintenant qu'il me demande de me retrouver seul, vous ne voulez pas. Quand j'ai été conçu, vous êtes dans le ventre de ma mère. Le jour de ma naissance, vous étiez là. Quand je mourrai, vous serez là. Quand je serai devant le trône, vous serez là. Non. Alors pourquoi vous voulez que j'aille en enfer? Je ne veux pas. Dieu m'a dit de sortir. Et à Paris, aujourd'hui, il me dit, sors encore. J'ai annoncé aux frères et sœurs, le 6 décembre, on arrête tout. Les gens disent, mais on ne va pas... Et moi, je suis le sauveur. Vous aussi, suivez le sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Sortez. Qu'est-ce qu'on va dire? Sors. Nous voulons que les démons sortent de nos corps. Mais nous ne voulons pas sortir de nous aussi. Parfois les démons se disent, mais vous nous chassez, mais vous ne voulez pas que Dieu vous chasse aussi. Alléluia. Amen. Tu fumes, Dieu te dit, arrête avec la cigarette. Oui, mais tu sais, Seigneur, quand je suis stressé, la cigarette me fait du bien. Donc ta cigarette devient Dieu, ton Dieu. Quand tu es stressé, une petite clope.
Alors Dieu veut que tu te shootes à la parole maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sortez. Là. Alors si tu veux sortir. Vous voyez, je ne m'adressais même pas à ce démon. Mais comme la parole est parole et vraie, ce démon va sortir. Alléluia. Tiens ton voisin, il faut d'abord la parole. On doit d'abord écouter la parole. Mes amis, le peuple sort. Hein? Qui est l'homme que Dieu a utilisé pour que ce peuple sorte? Cyrus. Un païen. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas sortir, Dieu va servir des païens pour vous chasser. Tu ne veux pas sortir, Dieu va utiliser ton patron. On va te virer. Licencié. Ah, Dieu, chômage. C'est Dieu. Ce n'est pas la crise économique, c'est Dieu qui t'a mis au chômage. Amen. Parce que tu n'écoutes pas. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un forcément ici. Mais toutes tes portes sont fermées, je veux pour l'emploi et rien, tout ça, la crise me touche de plein fouet. Non, tu n'es pas touché par la crise. Non, tu n'as pas de crise. Dans notre royaume, il n'y a pas de crise. D'accord? Tout est accompli déjà. C'est Dieu qui t'a mis au chômage parce que tu n'écoutes pas. Il te sort par la force. Alors, Dieu commence à rebâtir. Le peuple commence à rebâtir. Mais regardez ce que tu vas faire. Il y a plusieurs actions. Premièrement, le peuple sort de Babylone, d'accord? Pour être rebâti. Deuxièmement, Dieu suscite des prophètes âgés, Zacharie. Troisièmement, écoutez bien, premièrement, le peuple sort de Babylone. Deuxièmement, Dieu appelle des prophètes. Donc, il y a eu des ministères qui étaient restaurés, des prophètes restaurés, la parole prophétique, les visions, les songes restaurés. Troisièmement, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu nous dit la parole va réveiller l'esprit du peuple. C'est le réveil. Donc quand on parle de la réforme de l'église, il y a forcément le réveil. Le réveil c'est quoi? C'est une prise de conscience. Quand on est réveillé le matin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à regarder autour de soi. On se dit, ah mais non, quelle heure est-il? Il est 7h, j'ai rendez-vous. Donc on commence à faire attention à l'heure, au temps. Une fois qu'on est réveillé, on commence à regarder hein, l'horloge divine. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Oh, en Israël, à quoi? La Palestine, qu'est-ce qui se passe? Dans les églises, qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, moi je dois me préparer. Mon épouse et moi, mes enfants, nous devons nous préparer. Comme Lot, comme Noé. Il y a une prise de conscience. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, frères et sœurs, c'est quand l'épouse qui était endormie comme les 10 vierges retrouve l'huile. Amen, amen. L'huile. C'est la puissance. Le réveil, quand il est là, frère, il y a la puissance de Dieu, frères et sœurs. Moi, je ne me vois plus prier là où il n'y a pas la puissance. Amen. Non. Vous passez mon temps pour écouter les histoires. Non, j'étais en voyage, j'étais en mission, j'ai 14 000 églises. Non, mais vous savez, mon église, déjà, il y a 10 000 pasteurs. Mais on s'en fiche. Amen. Mais vous savez, nous sommes dans une fédération. L'église, il y a beaucoup de bishops, frère. C'est parce que c'est pas ça le message. Amen. 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 Où est Dieu? Amen. La puissance. Vous savez, quand l'église pentecôtiste, quand le pentecôtisme a pris naissance en 1906 à Azusa Street avec William Seymour, cet homme noir américain d'origine, bon, Dieu, quand il a suscité, et pas de parable bien avant lui. Frère, il y avait le feu. Il y avait le feu du réveil. Il y avait des guérisons, il y avait des prophéties. Il y avait des choses. C'était la Pentecôte, c'était acte 2. Rappelez-vous, quand vous êtes converti, comment il y avait le feu. Comment tu prophétisais, comment tu parlais en langue. Tu étais zélé. Souviens-toi, quand je suis converti pour la première fois, parce que souvent le ministère nous tue. À cause des titres, le ministère, eh bien, on sort de la puissance véritable. Parce que les hommes nous entourent, et ils nous entourent, et puis on ne veut plus suivre Dieu, on préfère rester avec les hommes. Voilà comment on perd la puissance.
Vous savez pourquoi les pasteurs ont perdu la puissance? Ils sont restés assis des années. Philippe a vécu un puissant réveil dans la Samarie. Et vous savez ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté assis. Et Dieu va le voir de nouveau pour lui dire, lève-toi et descends à Gaza. Voyez? La puissance, le réveil. Dieu venait de dire à quelqu'un ici, mon enfant, souviens-toi quand tu t'es converti. Tu étais zélé. Tu m'aimais plus que le ministère. Tu m'aimais plus que la mission. Souviens-toi, mon enfant. Tu méditais ma parole nuit et jour. Tu chantais tout le temps. Souviens-toi, ma fille. Souviens-toi, mon fils. Où est le réveil aujourd'hui? Le réveil? Quand il y a le réveil, il n'y a pas besoin d'enseigner sur l'argent. Ça, c'est pas notre message. L'église n'a pas reçu le mandat pour parler de l'argent matin, midi, soir. Non! Vous savez, quand il y a le réveil, les gens dans acte 5, là, acte 4, acte 2, les gens qui ont vendu leur propriété pour amener l'argent à l'assemblée, est-ce que c'est Pierre qui a dit vendez? Non. Est-ce que c'est Jacques qui a dit faites ceci? L'Esprit de Dieu le réveil. Vous savez, je vais vous dire une chose, par rapport à tout ce que je vous enseigne, on le vit. Ce n'est pas par nous, par la grâce de Dieu. Dieu m'a dit, je vais te donner l'argent pour acheter ce bâtiment, non pour l'église, mais pour le ministère, pour, n'est-ce pas, TV de vie. Il nous fallait 194 000 euros. 194 000 euros. On a dit au propriétaire, je suis allé le voir, je lui ai dit, dans 9 mois, à peu près, donc moins d'un an, on vous achète ce bâtiment sans crédit. Il a cru que qu'on était des millionnaires. En moins d'un an, j'ai fléchi mes genoux devant Dieu. Dieu m'a dit, présente le projet aux frères et sœurs qui suivent le message dans le monde entier. Vous savez ce pas ce frère? On en témoigne pour vous montrer que le réveil, quand il y a le réveil, il y a tous ses fruits. On ne force pas. Vous êtes fatigué, ça va? Non. Regardez. Les gens commençaient à envoyer des chèques. On ouvre la boîte aux lettres, 40 000 euros. Chèque, 40 000 euros. David le prend, tac, sur le compte. On ouvre une femme guérie d'un cancer lors d'une réunion un samedi à Évry. Guérie, cancer généralisé, guérie complètement par le Seigneur. Elle a fait des tests, c'est plus rien. Elle est allée à sa banque, elle a retiré 15 000 euros en liquide. Elle est venue donner. Elle a donné ça à Laurent. Laurent est venu me voir dans le bureau. Tiens, tiens, moi je ne touche pas cet argent. Non, non, non. Vous mettez ça sur le compte parce que. Alléluia! Un couple qui habite la région, si je ne dirais pas le nom, est venu. 7 000 euros de chèque. L'argent pleuvait, pleuvait. Mes amis, David s'occupe des finances là. Il me dit parfois, il y a un paquet d'argent comme ça à la maison. Il faut faire ça, il faut déposer ça à la banque, à compte-goutte, pour ne pas choquer les banquiers. Alléluia! Tiens, ton voilà, Jésus vivant! Écoutez bien, hein? Tout ça sans la dîme. Tiens, ton voilà, sans la dîme. Dis-lui, c'était la loi. C'était la loi. Voilà, de Moïse. On est là, on se disait, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, Seigneur, ici? Et en moins d'un an, nous avons eu 84 000 euros. J'ai fait une émission à TV de vie pour dire aux frères et sœurs, ne donnez plus. On a ce qu'il faut. Les gens ont commencé à appeler, d'autres envoyer des mails pour nous dire, vous nous avez dit d'arrêter, mais nous voulons continuer. Et ils continuent toujours jusqu'à ce jour. On a des chèques qui arrivent, c'est pour. Il n'y a plus ce projet, c'est fini. On donne quand même. Dieu me dit, fais la comme je vous l'ai dit, hein, révise la Bible. Il fallait 10 000 exemplaires. On a contacté une imprimerie en Finlande et on nous a dit qu'il faut à peu près 84 000 euros. Et il fallait cet argent en moins d'un an. Parce qu'on a besoin de ces Bibles pour le 19 décembre. Lors de cette nuit de prière. Et on se dit comment on va faire? On a prié. Et vous savez quoi? En moins de 8 mois, on a eu plus de 100 000 et quelques. On dit aux gens de donner plus, les gens continuent jusqu'à ce jour à envoyer des chèques. Je dis, Seigneur, avec l'argent qui reste là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est dépassé.
Dieu me dit, achetez un Vito. Vous allez le transformer en un véhicule Vito, donc fourgon, que vous allez transformer en régie mobile. Vous allez faire des émissions en direct depuis toutes les villes, les pays, les maisons où je vais vous envoyer. Alléluia! Le réveil, frère! Je témoigne de cela pour encourager les enfants de Dieu, pour vous montrer que, frère, on nous a menti. C'est pour ça, personnellement, j'ai dû me repentir devant tout le monde. Parce que hier, on croyait que... J'enseignais cela hier. Que si je ne payais pas la dîme, même si je ne prenais pas cette dîme-là pour moi, je disais, si tu ne me donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Quand j'étais enseigné. Et Dieu m'a montré, nous a montré qu'on était dans le faux. Parce que l'argent, ce n'est pas ça la bénédiction. C'est la paix. C'est l'amour. C'est Dieu. La vie éternelle, frères et sœurs. C'est ça le message. C'est ça l'essentiel. Je donne ce témoignage pour vous montrer que Dieu soutient son œuvre. Et il n'y a pas la dîme, il n'y a pas de partenaire financier autour de moi. Non! En moins de 20 mois, écoutez bien, en moins de 20 mois, il nous a donné plus de 300 000 euros. Nous allons voir ce propriétaire, on a dit, on prend tout le bâtiment là. Il dit, il manque rien, non, on a tout ce qu'il faut. On a signé tout. On a pris nos vitaux, on est en train de l'équiper avec l'équipe de PV de vie. Frère, non, on est là, on se dit, mais Seigneur, mais depuis que je sers Dieu en France, je n'ai jamais vu ça. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi? Tu étais entouré des parasites. Si je devais libérer toutes ces choses, ils allaient tout détruire. Il fallait que je les enlève. Même s'il fallait que tu sois calomnié, mais il fallait que je les enlève autour de toi, afin que ma gloire éclate enfin. Et ça, ce n'est que le début. Que le début. Frère, soeur, le réveil, il faut sortir premièrement. Pour vivre ces choses, la gloire de Dieu, il faut d'abord sortir. C'est dans quelle vie? Le péché, l'incrédulité, le doute, la peur, la masturbation, la compromission, la mauvaise compagnie. Il faut que tu saches ce que tu veux. Loufiane qui s'occupe du pain quotidien vient me voir, il me dit, nous sommes dépassés. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, avec le pain quotidien, il y a des orphelins maintenant dans plusieurs pays. Ils ont mis, comme vous le savez, une épicerie solidaire à Paris. La mairie de Courcouronne, le maire lui-même, nous envoie des familles qui vont à la mairie pour demander la nourriture. Et ils sont en train de nourrir plus de 200 familles qui viennent faire la queue. Et je vois ici l'épicerie que vous avez mis en place. Je me dis, mais en Guadeloupe, ça se met, et Dieu nous a dit, toute la France, dans toute l'Europe. Et les gens vont venir prendre la nourriture gratuitement. Et ensuite, Dieu nous a dit, après les 10 000 exemplaires que vous allez imprimer de la Bible, de Yeshua, que vous allez donner gratuitement, on a écrit dessus, interdit à la vente. Dieu nous a mis à cœur, en moins de 5 ans, nous devons imprimer près d'un million de Bibles. Il faut que dans tous les pays francophones, cette Bible, mes amis, soit diffusée. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? C'est possible. C'est possible. On est là, on se dit, Seigneur, les gens viennent, un homme vient, à part le fait que Dieu libère l'argent sans qu'on ne mette la corde autour du cou des gens. Et les gens viennent parfois, frère, je n'ai pas à manger, et on donne. Les gens viennent de du monde entier, on ne sait pas où dormir le samedi. Les frères sont là, ils peuvent vous dire, ils viennent du monde entier, noir, blanc, jaune, de tout. Indien, ils viennent parfois, ils disent, on ne sait pas où loger, on a suivi les enseignements, on vient comme ça, il faut les loger. On les loge, il faut nourrir, on achète à manger. On est là, les gens, tout le monde est débordé. Les gens disent, frère, le réveil c'est comme ça, je leur ai dit, ça c'est que le début. Ça c'est rien, ce ne sont que des miettes. Amen. Attendez-vous à ce que vous voyez le Stade de France. On va aller au Stade de France. Amen. Alléluia. Il n'y a pas que le PSG. Frère, nous sommes l'équipe de Jésus de Nazareth. C'est son problème, il fallait pas qu'il soit là.
Je parle du démon, bien sûr. Hein? On s'est compris. Cet homme arrive de la Belgique. Il se dit, un frère d'origine maghrébine, il se dit, il faut que j'aille voir ce Dieu. Parce que je n'en peux plus. Les médecins lui ont dit, vous allez mourir dans très peu de temps. Elle avait un cancer d'intestin. Il avait un cancer d'intestin. Et on lui avait mis une poche ici pour faire ses besoins. Et quand il est arrivé, ce monsieur, il n'arrivait pas à marcher, il était comme ça. Vous avez vu la vidéo? Dieu me dit, il y a quelqu'un ici qui souffre, qui a un cancer, je le guéris. Le monsieur est arrivé, le démon de cancer a été chassé devant tout le monde par Yeshua. Il se redressait, du coup. Il est rentré en Belgique. Il est reparti voir son médecin. Ce médecin lui fait ça. Zéro maladie! Alléluia! Non, non, Jésus est trop fort. Le cancer a pris ses jambes à son cou. Il s'est barré. Les frères disent, ma pauvre quotidien, on est débordé. Il me dit, frère, on a plus de 15 000 euros sur le compte. Et Dieu continue à bénir par pauvre quotidien. On a pris deux camionnettes pour aller chercher la nourriture. Et ils m'ont dit, tous les carrefours d'Île-de-France nous donnent de la nourriture gratuitement. Le carrefour d'une des villes de Paris, dans la banlieue sud, a contacté le pain quotidien, le directeur de ce carrefour, et il nous a appelé pour nous dire, venez avec votre association, et pendant une semaine, nos 50 caissières vont porter des t-shirts sur lesquels il y a écrit le pain quotidien. Et ils sont allés là-bas faire des animations. Les gens venaient avec leur caddie donner beaucoup de nourriture. Et parfois, on ne sait pas comment faire ça. Parce qu'il y a tellement la nourriture, on ne sait pas comment s'organiser. Ils ont pris ces deux camionnettes, ils vont chercher ici et là. Ils vont donner aux frères et sœurs. Les gens se disent, mais des conversions? Les gens viennent comme ça, ils disent, ils viennent 2-3 heures à l'avance, ils disent, on veut se convertir. On leur dit ça, c'est pas encore commencé. Ils disent, non, on veut changer, on veut confesser. On leur dit, vous ne voulez pas attendre. Ils disent, non, on veut confesser. Alors demain, vous voulez confesser quoi? Non, moi j'ai fait 15 avortements. 15 avortements! Moi j'en ai fait 10. Moi j'en ai fait 5. Et un jeune homme vient me voir comme ça. Il me dit, je veux confesser. À la fin de la réunion, je dis, mais je suis fatigué. Il me dit, s'il te plaît, je veux confesser. Je dis, mais tu veux confesser quoi? Il me dit, voilà, j'ai eu des rapports avec un homme, tout ça. Et en fait, c'était une femme avec, avec une poitrine opulente. En fait, il s'est fait opérer, mais c'est. Et il me dit, voilà, je ne veux plus de ça. Les gens viennent et disent, moi je suis sorcier, je tue les gens, je sacrifie des âmes, et je n'en veux plus, j'ai servi Satan, je sers Satan depuis 30 ans, 40 ans, je sers le diable, je n'en veux plus. Des confessions, frère. Un homme appelle comme ça, il s'appelle Isabelle. Il s'est fait opérer. Il a changé le sexe, l'identité, il est devenu femme. Touché par le message, il envoie un message comme ça, il dit, je n'en veux plus, je veux changer. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis touché par le message que vous prêchez, tout ça là, je ne veux plus du péché. Il a repris son identité, maintenant malheureusement il s'est fait opérer. Mais il reste vrai, Dieu est bon quoi. Une femme française, 72 ans. Catholique depuis sa naissance. Elle envoie un mail, même des femmes d'un certain âge qui ne connaissaient pas, qui ne se connaissent pas en informatique, s'organisent pour apprendre même à manier les ordinateurs. Pour suivre les enseignements. Cette femme de 72 ans nous envoie un mail. Elle dit, ça fait depuis ma naissance, je suis catholique, je suis aux enseignements, je veux changer, je veux me convertir. Des gens viennent comme ça pour le baptême. Chaque samedi, nous avons plus de 63 baptêmes, 70 baptêmes, 50 baptêmes. On est dépassé. Les gens, quand on les plonge dans l'eau, on le sort, ça parle en langue, ça prophétise. Les démons sortent. Tout le monde se dit, mais les gens qui baptisent disent, mais on comprend même nous, on ne comprend plus rien. Ils font les délivrances parfois dans l'eau. Pendant qu'ils baptisent, les démons commencent à les insulter. Et les gens sortent dans le jeu.
C'est pas toi. Des choses qui, on est tous là, on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Des chants nouveaux, tout le temps. Des anges qui apparaissent aux gens, qui leur donnent l'adresse de ce lieu. Donc Dieu réveille son peuple, le Dieu du livre. Amen. Waouh. Frères, sœurs, écoutez bien. Le peuple sort. Le peuple, mes amis, le peuple sort, premièrement. Et ce peuple qui est sorti a commencé, mes amis, à être réveillé par Dieu. Vous ne pouvez pas rebâtir si vous n'êtes pas réveillé. Vous savez ce que Dieu m'a dit il y a des années? Il m'a dit, vous allez faire des réunions dans les stades. Et chaque année, presque, il me le répète. Ici en France. Notez bien ce que je vous dis. Ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Des gens vont être touchés tellement. Déjà le câble de plus en plus. Vous allez voir Jean, le monsieur qui s'occupe du stade de France, être frappé par, juste un exemple comme ça, par une maladie incurable. Et qui va être guéri par le Seigneur. Et il dira, ben, je mets à la disposition du Seigneur, le stade. Et je vous dis, notez bien, vous allez voir ça. Vous pensez que les maires de nos villes n'ont pas besoin de Jésus? Ah, attendez. Ils ne sont pas tous diaboliques, il y en a qui cherchent vraiment le Seigneur. Hein. Ce sont des hommes comme vous et moi, qui ont des problèmes aussi, comme nous avons, nous en avons. Touchés comme ça, qui vont dire, venez. L'image que Dieu me donne, c'est quoi? Des réunions de réveil dans un stade, pendant un an. Waouh! Hein? Je vous dis, notez bien. Vous allez voir dans une ville ici en France, un maire va être tellement touché qu'il va dire, voilà tout ce champ-là, je le cède pour vos réunions. On va mettre, mes amis, un chapiteau. Un grand chapiteau. Vous allez, je vois des véhicules qui arrivent. Je vois des bus. Je vois des avions qui arrivent du monde dans le sol. Oh my God! Waouh! Ça va se passer. Je ne dis pas qu'on se passe avec nous, hein. Mais moi je le crois. Aussi avec nous, mais aussi avec vous. Notez cela. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, arrêtez ces réunions-là à Évry, maintenant passez à une autre vitesse. Ce qui va se passer, frères et sœurs, ça va être tellement glorieux. Je vois des chrétiens comme vous arriver quelque part, pour prendre le train, je vois l'onction venir sur eux, je vois les démons dans les trains se manifester. Je vois des jeunes qui sont des frères et sœurs qui sont à l'école, collège, lycée, arriver à l'école, tellement que la gloire est sur eux, je vois des professeurs se mettre à pleurer sans savoir pourquoi, confessant leurs péchés devant tout le monde. Dieu va tellement convaincre du péché les gens. Et Dieu dit ceci, quand cette Bible va être diffusée, notez bien ce que je vous dis, plus personne ne va contrôler quoi que ce soit. Amen. Je dis plus personne. Vous savez, je vais partager quelque chose. J'ai vu des gens lire cette parole, être visités par l'onction. Des démons qui se mettent à crier, à bouger, à sortir. Vous allez voir ça, notez bien ce que je vous dis. C'est pas ma chair. Je vois des mouvements de masses. Des mouvements de masses qui se déplacent. De ville en ville. Je vois des médias qui sont interpellés. D'un côté, il y a la prophétie qui va prendre l'ampleur, la persécution contre les vrais chrétiens, contre les vrais chrétiens. Mais de l'autre, je vois une armée que Dieu, mes amis, est en train de susciter, qui ont l'esprit d'Élie. Je vois ces hommes, ces femmes qui sont blessés dans les assemblées, qu'on a écrasés et que tu as récupérés, restaurés. Je vois cette armée, mes amis, de Déborah, par rapport aux femmes. Je vois cette armée de Jérémie. Je vois cette armée, frères et sœurs, d'Élie, d'Élisée. Je vois ces prédicateurs du message du temps, de la réforme des cœurs. Je vois ces Jean-Baptiste moderne. Je vois ces guerriers, ces guerrières. Je vois ces hommes et ces femmes. Oh, les loups.
les épées. Ils sont intransigeants. Ils ne cèdent pas. Ils ne baissent pas la garde. Ils sont comme l'armée de Néhémie, l'armée des As. Ils ont la parole de Yahweh avec eux. Je vous dis, notez ces choses. Vous allez les vivre. Nous sommes en train, Dieu me dit, de vivre âgé. Dieu vous a sorti de Babylone. Premièrement, ça vous a coûté cher. Et ceux qui sont encore dedans, Dieu vous dit, il est encore temps de sortir. Sortez, mon peuple. Sortez, mon peuple. L'heure est arrivée enfin. Le mandat vient du ciel. C'est un mandat royal. Un décret gouvernemental. Il est temps que mon armée se lève. Il est temps que mon peuple, le peuple pour lequel j'ai versé mon sang, se lève pour moi. Je vois ces armées. Le réveil. Jésus-Christ. Tu sais pourquoi tu as été beaucoup blessé comme ça? C'est pour te préparer. C'est la croix. Je te veux te faire passer par ce chemin pour que ma gloire éclate dans ta famille, dans ta vie. Je vais toucher tes parents. Je vais toucher ta mère. Je vais toucher ton père, ma fille. C'est le réveil. Le réveil. Personne, quand il y a le réveil, personne ne contrôle personne. Quand il y a le réveil, seul Dieu est élevé. Quand il y a le réveil, on revient à la prédication de la croix. On revient à l'évangile du royaume. On ne prêche pas les églises. On ne prêche pas les bishops. On ne prêche pas les hommes. On ne prêche pas l'argent. On ne prêche pas les apôtres. On élève le nom qui est le plus élevé. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire. Des couples seront restaurés. Des hommes seront de véritables hommes. Pas des hypocrites, mais des hommes qui aiment leurs femmes. Des femmes qui aiment leurs hommes. Je vois des enfants soumis à la parole de Dieu. Des chrétiens vrais. Et j'entends le son de la trompette retentir. Et je vois l'église se lever et monter à la rencontre de l'époux. Dieu te dit, il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Ce n'est que le début de ton appel. Ce n'est que le début de l'œuvre pour laquelle Dieu t'a sauvé. Le réveil arrive et dans ta famille, tu vivras ce réveil. Tu vivras ce réveil. La trompette retentit. Voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici Jésus de Nazareth. Tu prophétisais beaucoup dans le passé. Mais on t'a interdit de parler de ma part, de prophétiser. Il est l'heure maintenant pour toi de te lever pour moi. Il est temps maintenant pour toi de saisir ces choses. Ton île sera visitée. Ton île sera visitée. L'île, n'est-ce pas, que tu aimes. L'île pour laquelle tu as gémé. Pour laquelle tu as gémé devant le trône du Père. Dieu va toucher cette île. Alléluia. Je te dis, ma fille. Les démons, il faut, je vous dis, papa, ça commence là. Encore. Le réveil. Les gens vont retrouver l'amour de la méditation de la parole. L'amour de lire la parole de Dieu. Les gens vont retrouver l'amour de la prière. Vous n'aurez pas besoin de souffrir en priant. Vous allez commencer à peine de prier. Que la gloire va venir sur vous. Jesus Christ. Oh my God. Alléluia. À peine que vous allez fléchir les genoux. Que le feu va vous saisir. Oh. Oh. Oh.
Et parce que tu vas réveiller, parce que tu es réveillé, ben tu vas commencer à rebâtir. Tu vas commencer à parler du Seigneur autour de toi. Tu vas commencer à parler du Seigneur au maire de ta ville. Tu vas commencer à parler du Seigneur, n'est-ce pas, à ton employeur. Tu vas parler du Seigneur à ton mari, à ta femme. Tu vas parler du Seigneur à tes enfants. Tu vas parler du Seigneur à tes amis, à tes voisins. Tu n'auras pas honte du Seigneur Yeshua. Jamais, 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 jamais. 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 C'est le réveil. C'est le réveil. Tu as pris conscience. Et le réveil implique la repentance. Tu vas commencer à te repentir à chaque fois. Oh Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi. J'avais mal compris les choses. Seigneur, aide-moi. Voilà la prière que nous allons de plus en plus faire monter dans le Seigneur. Ça va être terrible, frère. Terrible. Le livre. Tu vas prendre ta Bible, tu vas t'enfermer quelque part, tu vas méditer, méditer, méditer. Dans le train, tu vas méditer. Partout. Et on va te dire, mais t'es fou, t'es folle. Non, je ne suis pas fou. Je suis passionné. Dieu m'a touché. Et je l'aime. Et je l'aime. Et je l'aime. Qui veut être réveillé par le Seigneur? Amen. Regardez bien dans les nations. Dieu envoie des trompettes. Vous n'avez pas remarqué en ce temps? Aux États-Unis, ça crie. En Afrique, ça crie. Une voix crie. C'est des voix qui se mettent à crier. À crier. À crier. À crier. À crier. Et quand les gens viennent le voir pour leur dire, nous voulons rester avec vous, ils disent non, ne restez pas avec nous, ne restez pas avec nous. Allez vers Dieu. Allez vers Dieu. Allez vers Dieu. Oh, Dieu veut faire une œuvre avec vous. Une œuvre. Dieu veut essuyer vos larmes. Dieu veut vous consoler. Il me dit de vous dire qu'il vous connaît. Il connaît les plans qu'il a forgés, formés pour vous. Et il sait combien ce n'est pas facile. Je vous vois escalader une montagne. Et Dieu vous dit, je vous conduirai. Je vous transporterai jusqu'au sommet. Préparez-vous. Préparez-vous à expérimenter ce feu, cette gloire-là du Seigneur. Et je vois les membres de votre famille, les cœurs les plus durs, du mal, les briser, les toucher, afin de se tourner vers le Seigneur véritablement. Oh, alléluia, Dieu d'Israël, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire. Je dis au Seigneur, si je ne vis pas ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, des conversions, des cœurs repentants, ce que ce livre est faux. Soit ce livre est faux, soit je suis dans l'erreur. Parce que ma Bible me dit que Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amenez-la. Sois délivré, ma soeur. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Et une personne qui souffre d'un cancer,
pas des ganglions. Voilà, c'est bon. Et on t'a condamné. Tu as peur. J'aimerais prier pour toi. Le Seigneur veut et peut te guérir. Et une autre personne qui porte depuis des années une ceinture pour son dos. J'aimerais prier pour cette personne aussi. Car le Seigneur veut la guérir. Au nom de Yeshua. Oh Yeshua. Tu l'as sur toi? Au nom de Yeshua. Il y en a une ici, cette ceinture sur elle. Au nom de Yeshua. Ouais. Qui a une ceinture sur elle par rapport à son mal de dos? Ok, ça fait combien de temps que vous portez cette ceinture? Oh, ça fait une dizaine. Vous pensez que le Seigneur peut guérir cet homme? Plus j'ai mal. Plus ça va, plus il a mal. Ah ben, Dieu peut toute chose, hein. Vous croyez que le Seigneur peut vous guérir? Ben, j'espère. Est-ce que vous croyez? Oui. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon. Est-ce que vous pouvez faire ça? Faites des mouvements que vous pouvez faire. Oh, Alléluia, Jésus. Comment vous sentez? Ça va? Ça va? Ça va, c'est parfait que nous sommes. Là, vous allez, Dieu m'a dit que vous allez retrouver le dos que vous aviez à 30 ans. Hein, à l'âge de 30 ans. C'est bon. Ah, ben ça ira, oui, bien sûr. Ouais. Alléluia! Vous avez cette ceinture avec vous, non? Vous avez laissé à la maison. Vous souffrez de ce dos depuis combien de temps? Très longtemps. Très longtemps. Oh, Jesus. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jesus. Aidez-la. Mention sur elle, un esprit qui va sortir, le nom Yeshua. C'est un démon qui provoque. Ce type de démon là, provoque en fait, touche le physique, le côté physique de l'homme, le corps physique. Pas là, mais juste le physique, le corps physique. C'est un démon qui provoque tout ce qui est AVC et l'arthrose. Jesus! Oh, alléluia! Maintenant, vous allez voir cette soeur là, cette soeur, cette dame. Oh, alléluia, comment elle va retrouver son corps là de 40 ans là, au nom de Yeshua. Jesus Christ. Qu'est-ce que vous avez? Il n'y a plus rien là, logiquement. Vous oubliez, vous avez opéré au cerveau. Waouh! Ah, bah oui, là. Vous pensez que le Seigneur peut restaurer cette dame? Hépatite C aussi, hépatite C. Sors de ce corps. Même. Allez, sors de ce corps. Non, Yeshua. Oh, alléluia. Et une personne ici qui a un problème avec, son, avec une maladie au niveau de l'estomac. Tu ne peux plus manger un certain nombre d'aliments et tu te sens condamné. Et tu demandes au Seigneur de te guérir depuis quelque temps et tu ne vois pas la guérison. Viens mon frère, au nom de Yeshua.
Le Seigneur me dit de te poser la question, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Qu'il me guérisse. Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Oui. Vous pensez que Dieu peut le guérir? Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. C'est bon. Quand tu vas aller voir le médecin, fais-toi faire encore une heure. Hein? Une radio là, tu vas voir. Il va faire ça là, oula. Qu'est-ce qui se passe? Gloire à Dieu, parfait, c'est réglé. Oh, alléluia. C'est réglé. Voilà, on y va. Alléluia. Oh, alléluia. Fais comprendre. Tu peux la laisser maintenant. Tu peux faire comme moi. Dieu fait des miracles. C'est bon? Alléluia, gloire à Dieu. C'est quoi le problème là? Ok, quelqu'un veut te libérer de l'alcool ici là? Quelqu'un ici là qui a une dépendance par rapport à l'alcool? Viens, on attend le Seigneur, merci. Oh, Jésus! Oh! Sors, quitte-la! Allez, sors! Quitte-la! Quitte-la au nom de Yeshua! Sors de là! Sors de là, sors d'elle! Bien! Tu as ce problème parce qu'on t'a couvert. Tu es couverte avec un tissu noir. C'est un sort qu'on a jeté sur toi, la sorcellerie, tout ça, à cause de la jalousie. Et on veut te détruire par un cancer de foie, une cirrhose de foie précisément. Moi, je m'occupe. Il faut. Impose-lui les mains. Jesus. Jesus. Oh, alléluia. Sors de ce corps. Sors de là. Sors de là, oh, Yeshua. Sors de là. Ok. De là. Sors. Sors. Le Seigneur peut la délivrer, n'est-ce pas qu'il pourrait la délivrer? Jesus. Oh. Désormais, quand tu vas toucher ce malade, quand tu vas. Sa mère. Ça va être à vous, sa mère. Jesus. Oh, alléluia. Quelqu'un a été opéré hein, il y a moins de 2 ans au niveau de son genou droit, n'est-ce pas? Genou droit, combien de temps? Novembre 2013, on est en 2014, c'est bon pour toi. Dieu est précis. Tu meurs au rein, c'est terrible ça. Le Seigneur m'a délivré. J'ai pris 22 ans de médicaments pour la dépression. Et un jour, je les mets tous à la poubelle. Le Seigneur va m'aider. Le Seigneur m'a aidé. Et les catholiques, ils nous disent. T'es folle. Voilà, demain, d'après demain, tu vas revenir voir la psy. Tu vas tout nous raconter. On va te redonner tes médicaments. J'ai dit non, je ne les reprendrai pas. Et ça fait presque 2 ans, mes frères et sœurs, que je ne les prends plus. Et tu n'es pas parti à Lourdes hein, pour ça, pour être guéri comme ça. Tu es resté chez toi en priant Jésus. J'ai été à Lourdes. Ça n'a pas marché. Non, mais j'ai été emmener des gens gentiment pour qu'ils puissent y croire. Mais voilà, il y a longtemps, comme vous dites, ils sont plus là, ils n'attendent pas. Ils sont tous à côté des uns des autres. C'est une des premières villes de France avec le plus nombre d'hôtels qui ruinent les gens, qui les mangent, qui prennent leur argent, qui mettent des cierges le soir et qui les enlèvent vite et qui les revendent le lendemain. C'est une honte, il faut le dire, c'est une honte. Dis-le là, la caméra. C'est une honte, vous les voyez, les gens qui amènent 2 pièces, 3 pièces, qui achètent un cierge, qui le mettent, qui prient, qui sont là, je veux avoir un soulagement. Et le lendemain, le soir, vous passez, parce qu'avec des bandes de jeunes, vous se regroupez vers 23h, 1h du matin. Et vous les voyez, ils enlèvent tous les cierges, ils les remettent et ils les revendent le lendemain. C'est une honte! Une honte! Il faut arrêter ça! Alléluia! La relève, la relève là! Alléluia, vous savez qu'elle est bon. Ben, tu veux quoi? Tu penses qu'il peut te redonner, il peut guérir ton utérus? Ah oui, j'en suis sûre. Tu veux des enfants aussi? J'ai une fille, j'ai 3 enfants. J'ai 3 garçons. Que t'en veux encore? J'en veux un, je veux une petite fille. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Oh, Jésus, alléluia. Oh, alléluia.
C'est bon, c'est réglé. C'est bon. Rachel, hein? C'est Rachel. Elisabeth. Ah ben Rachel, qui arrive. Je m'appelle Rachel. Non, non, je veux dire la fille qui arrive. Elle s'appelle Rachel. Oui. Ah ben, que nous en bénisse, Jésus. Les amis, ils vont dire les Africains ont contaminé les Européens. Maintenant, nous, on va rentrer au bled, c'est vous qui allez gérer les choses ici. Alléluia! Frère, je prophétise, l'islam ne va pas embraser la France. Amen! Du livre, nous pouvons prophétiser. Amen. Nous aimons le Seigneur, nous aimons la France. Amen. Dieu a dit, tout lieu où foule la plante de vos pieds, je vous le donne. Donc il nous a donné la France. Amen. Nous déclarons que la France est bénie par le Seigneur. Amen. Nous déclarons que le président, le premier ministre, les ministres, les députés, les sénateurs, les juges, les avocats, les policiers, les gendarmes, les maires, les préfets, il y en a, ils vont rencontrer l'évangile. Amen. Je le déclare. Je bénis la France. Amen. Alléluia. Dans les cités, frères, c'est fini. Ce ne sont plus les salafistes qui vont y aller, frère. C'est vous, là, mes amis, avec l'évangile. Vous allez dire aux Français que Jésus-Christ revient. Amen. Tu veux quoi? Ah, toi, c'est le genou gauche. À droite. Tu penses que ça peut être, tu peux te guérir? T'as mal là? Tu quoi? Tu peux pas payer ton genou pour le moment parce que t'as pris pourquoi? T'as opéré 5 fois. Et t'as mal quand tu plies? T'as pas mal? Donc tu peux pas plier. Oh, genou droit. Elle a été opérée 5 fois, elle peut pas plier son genou. Alors que la Bible dit que tout genou doit fléchir. Est-ce qu'il a pas compris ça? Oh Jesus. Elle veut plier son genou parce que il faut qu'elle adore le Seigneur. Elle dit, je ne dis pas qu'elle adore pas le Seigneur, qu'elle adore pas le Seigneur. Mais je veux dire, elle veut plier le genou pour dire Seigneur, je t'adore comme ça aussi. Oh, est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Nul n'est comme toi. Oh, alléluia. C'est ce genou-là. Oh. Oh. Voilà, il y a quelque chose ici que je prends comme ça au nom de Yeshua. Que je... Jesus. Regarde, suis-moi derrière comme ça. Suis-moi. Suis-moi. Jesus. Allez, on y va. Donnez-moi une chaise. Jesus. Oh, alléluia. Assieds-toi. Condamné comme ça, genre comme ça, la vie. Mais... Tendons nos mains vers elle. Église. C'est les médecins qui ont dit que tu ne peux plus faire ça au second. Ouais? Ils ont enlevé quoi? Une infection. Prions, frère.
comme toi, Seigneur. Ça c'est magnifique, là-bas là, ça chasse les démons, là, c'est bien. Tout le monde travaille, hein. On n'est pas là comme des spectateurs. Hein. C'est... Je donne gloire. Seb, on l'appelle Seb, Sébastien, une personne que le Seigneur veut, n'est-ce pas, restaurer au nom de Yeshua, que Dieu veut rétablir, Dieu veut rétablir une personne dans, n'est-ce pas, dans son autorité, au nom de Yeshua, ô Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui se passe avec elle? D'accord. 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 Oh, Saint-Esprit, merci. Oh, Dieu du Seigneur. Je donne gloire. Je donne gloire. Juste vos mains. On va vous faire une onction d'huile pour la guérison. Prenez.
Viens. Tu veux quoi? Que le Seigneur fasse quoi? Que tu veux qu'il fasse quoi pour toi? C'est ce que je me disais. Tu veux un enfant? Voilà. Tu es marié? Pas encore. C'est ce qu'il me dit. Il faut mettre de l'ordre d'abord. D'accord? Il faut mettre de l'ordre. Regarde, si tu mets de l'ordre, pourquoi Dieu ne permet pas? Parce qu'il y a un appel sur ta vie. D'accord? Et il faut trouver comme un peu coincé dans cette situation-là. Mais il faut que tu mettes de l'ordre par rapport à ça. Il y en a, ils ont des enfants, hommes ou femmes, alors qu'ils ont la publicité, le péché. Mais ceux qui sont du Seigneur, parfois Dieu, il ferme les portes. Et là, il faut d'abord te sanctifier. Et ensuite, il ouvrira des portes. Hein? Il me dit de te dire, il faut d'abord mettre de l'ordre dans ta vie. Ensuite, le reste, tu sais, il me donne pour toi Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'accord? Ton compagnon ne veut pas de mariage. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Donc, toi, tu veux craindre Dieu. Il faut lui dire qu'il faut les rapports sexuels, on arrête. La Bible dit qu'il faut se sanctifier. C'est pas moi qui le dis. Nous sommes le peuple du livre. Et Dieu fera le reste. Je l'enseigne. Tu veux arrêter la publicité? T'es sûr de toi? D'accord. On va prier pour toi ensuite quand tu vas rentrer ce soir. Il faut rush. D'accord? Quand tu es là, on va prier pour toi, le beau. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers elle, on va prier pour elle? Ne vous inquiétez pas pour elle, parce qu'on peut vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas. Dieu fait son œuvre. On le voit de plus en plus, on est choqué. Ça, c'est rien, ça. Tu comprends? Oh, alléluia. Tu vas même commencer à courir. Tu vas voir ça. Je vais revenir à Paris là pour témoigner, tu vas voir ça. Jesus. Oh, Jesus. Tous ceux qui sont ici, qui sont appelés par Dieu pour être des trompettes. Je dis bien, appelés par Dieu pour être des trompettes. Tous ceux qui sont appelés pour être des trompettes, des chauffards, l'onction que Dieu met sur nos vies, sur notre appel, notre ministère, cette onction va aussi, n'est-ce pas, vous précéder pour faire l'œuvre du Père. Ça, c'est ma prière pour vous. Parce que je vois que beaucoup viennent de loin, beaucoup ont soif, beaucoup veulent expérimenter Dieu. Et je prie que le Seigneur, n'est-ce pas, vous mette son onction sur vous. Et je prie au nom de Yeshua que sa grâce vous précède au nom de Yeshua. Alléluia. Et votre maison est une maison de prière. C'est ce que Dieu me dit de te dire. L'heure arrive où il va toucher puissamment ta famille, les parents, la famille. Il dit, je te connais ma fille, nom de Yeshua. Je vois beaucoup de gens arriver chez vous pour recevoir la parole de Dieu. Et au nom de Yeshua, Dieu va te surprendre. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, que la grâce de Dieu. Il y a quelque chose qui arrive là. Non. Ça va, Christophe? Ça fait plaisir de te revoir. Plaisir. Oh. T'avais mal où? T'avais mal où? Au dos? Là, t'as mal là? Tu penses que le Seigneur peut enlever tout ça? Oh, bien sûr. Comme elle a pris la décision d'arrêter avec le péché. Dis-moi, tu es marié? Non, c'est pas. Tu crains Dieu? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que tu as beaucoup chanté pour Dieu? Comment ça? Non, chez toi. Et tu vas apprendre à jouer dans l'instrument après. Le Seigneur, tu vas voir ça. Oh. Fais ça. Ça va à chaque fois que le Seigneur nous. Parfois on est là, on sent qu'on attend, on attend quelque chose, n'est-ce pas? Ah bah oui, on attend quelque chose, on attend que le Seigneur, il est en train de faire, on attend que les vagues. Oh, les douilles. Comment tu te sens? Jésus. Hein?
Oh, t'es sûr de toi, il ne faut pas des fois qu'on me fait un plaisir hein, parce que j'aime pas ça. Regarde-moi, regarde. Comment tu te sens avec? T'es sûr de toi, ça va? Oh, regarde, t'es sûr de toi? Faut pas mentir. Non, je montre. Ah, plus rien? Non, ça va mieux. Tout à l'heure? Elle va refaire encore. Hein. Voilà. Et l'onction là-dessus, là, mes amis. On applique, mes amis, de la pommade spirituelle. Hein. Au nom de Jésus, c'est fini. Amen. Comment je me sens couche devant toi? Hein? Bah oui? Avant? Depuis combien de temps? Bah, plus ce matin, parce que c'est comme je venais ici. Donc... Bah, c'est normal, parce que tu sais pourquoi tu as une ceinture bizarre. Waouh! On t'a lavé mystiquement. On a mis cette ceinture. Hein? Oh Jésus. Oh Jésus. C'est bon. Ton ami est là? Ici ou pas? Il a fui. Ah ben voilà, il sait pourquoi il fuit. La prochaine fois, il faut l'amener. Alléluia. Ça t'a mal là. Oh Jésus. Oh, les deux épaules. Les deux épaules. Les deux. Oh. Les deux côtés. Vous pensez que le Seigneur peut guérir notre frère? Qui le frère et soeur? Oh, alléluia, alléluia. Il y a une personne ici qui souffre des poumons, une maladie qui affecte tes poumons. Il y a une guérison divine. Là. C'est qui cette personne là, par rapport aux poumons là, tout ça? Voilà, viens. Merci Seigneur. Viens, jeune fille. Il y a des cas qui viennent comme ça. Il y a des guérisons que tu opères tout de suite parce qu'il t'a donné une parole de connaissance. D'accord? Il faut comprendre comment tu opères. Donc il donne une parole de connaissance aussi total. Et les gens peuvent venir avec des maladies, mais je dois me laisser guider d'abord par le Seigneur. D'accord? Depuis combien de temps tu souffres de... C'est bon. Juillet. Tu as été voir un médecin? Oui. Il a dit quoi? Au départ, c'est une bronchite. Et c'est passé en mars. Ok, donc tu suis en traitement? Oui. Il est avec toi? Amen. 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 Il y a une personne qui souffre d'une incontinence urinaire. Une incontinence urinaire ici. C'est qui? Ok. Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut vous guérir? Oh, oh, alléluia, une onction de guérison sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est fini, c'est réglé. Voilà. La prostate ici. Ta prostate commence à prendre un coup là, c'est toi là? Oh là, je sentais quelque chose dans la prostate. Ouh lolo. Vous pensez que le Seigneur peut faire quelque chose? Ça commence à venir là. Ça commence à venir. On sent que. Jesus Christ. Oh Jesus. Ah ben tu es complètement relevé, complètement restauré, mais là c'est... Oh, alléluia, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Il règne à jamais. Il est assis. Comment tu te sens? Oh, oh Jesus. Jesus. Okay. Un ange lui a mis une prostate. C'est terrible ce que j'ai vu là. Une prostate d'un enfant de 15 ans. Oh! Tout est réglé. Et puis je le dis. Cette maison qu'il a donnée, c'est pour les saints.
dois voir, ça c'est magnifique. Des retraits de prière là-bas, là, des gens ont fait des retraites. Oh, alléluia, ça va être glorieux, magnifique. C'est bon, c'est réglé. C'est réglé. Et une personne qui souffre d'une maladie rare, une maladie rare de la peau. Hein? Ça te brûle, ta peau te brûle. Hein? Et tu en souffres, tu n'en peux plus. Il y a une jeune fille, une petite fille de, qui avait été guérie d'une maladie de la peau ici, non? Elle est où? Son papa est où? Tu peux venir, s'il te plaît? Tu es derrière? Viens. La dernière fois qu'on est venu, vous savez, c'est comme ça, hein? Ça se passe comme ça, les gens se disent, mais est-ce que vraiment Dieu agit? Ben attendez, on voit comment il nous étonne, hein? Elle souffre de cette maladie depuis combien de temps? J'ai 3 ans. 3 ans. Elle avait une espèce de vieillissement au niveau de la figure. À une certaine période, on est allé voir les médecins, les produits, ça ne faisait rien. Et maintenant là, le fonctionne est là. Tout est fini. Ah oui, tout est parti. Oh, dis-moi. En fait, tu es choqué. Non, c'est normal, hein? Dieu peut tout. Amen. Ah ben, gloire à Dieu. Non seulement que Vita, c'est ce qu'il me disait pour toi, là. Non seulement que tu as restauré au niveau de la peau, tout ça, là. Là, ce que tu vas faire pour le Seigneur, je sais pas. Il va te donner une voix. Tu vas me chanter? Une voix terrible pour chanter pour sa gloire. Oh, alléluia. Une voix terrible. Il voit combien tu es aimé par les parents. Il voit combien, n'est-ce pas, papa, n'est-ce pas, intercède pour toi. Et tu vas chanter, tu vas t'occuper des enfants. Tu vas beaucoup soigner les enfants. Comme un médecin, tu vas le choix. Tu vas le louer. Oh, Dieu de gloire. C'est magnifique. Oh, voilà la pour le problème de peau. Vous avez vu comment tu parles? Regardez-moi cet enfant-là. La peau abîmée comme ça. Là. Je l'ai, mon frère. Tu te rends compte comment les gens se bougent comme ça? Dieu parle, hein? Laurent, tu vois ça là? Regarde-moi ça. Ça, c'est pas la peau de quelqu'un, là, d'un homme, là. Un homme normal. Cet enfant, ses parents sont où? C'est toi qui l'as amené. Son papa est où? Cet enfant a été consacré à une divinité de vaudou. Vous êtes de quel pays? La Guyane. Ah. Voilà, consacré à une divinité de vaudou, en fait, qui est la base même du vaudou. Et c'est une divinité que Dieu vient de me montrer, là, je n'avais jamais vu. Une divinité qui a la forme d'un crocodile. Et avec des écailles, tout ça, là. Voilà. Donc, elle est là partout. Hein? Je ne peux même pas la coiffer tellement elle est là partout. Ah. Elle se gratte, tu vois? Elle se gratte, tout ça, tout est chance. Oh Jésus, mon Dieu. Tout son corps est abîmé. Et ça, c'est un esprit qui a pris sur l'apparence, là, tout ça. Là. Cela a été construit. C'est ta fille? Tu es marié? Son papa est où? Il parle? Il est en Guyane. Vous êtes séparés. Il y a eu des troubles? Quand tu tombes enceinte? Il y a eu des problèmes ou pas? Est-ce que tu es... Il t'a épousé? Quand tu tombes enceinte? Ta famille, comment ça se passe? C'est comme le mariage, mais c'est pas. Ils ont versé quoi? L'alcool par terre. Ils ont versé de l'alcool par terre. Ben c'est ça. Voilà, c'est quand. C'est le Dieu. Ah ouais. Verser de l'alcool par terre ou couper un morceau de la viande, c'est faire une alliance avec les puissances occultes. Et voilà comment les enfants vont en pâtir. Il faut faire très attention quand vous vous mariez, là, mes amis. Surtout les Africains et nos amis des Antilles. Hein, il y a beaucoup de sacrifices comme ça. Donne-moi l'intention, s'il vous plaît.
Dieu, le Seigneur ici, c'est sur Sébastien. Sébastien, qui prie pour Sébastien ici là? Il y a Sébastien là, tout ça. C'est qui Sébastien? C'est toi ou c'est qui? Non, c'est mon beau-frère. Ton beau-frère, il est quoi? Il est malade, il fait quoi? Non, il est à la maison. Il est à la maison. Mais. Ok. Tu as prié pour lui? Je prie, mais sa femme est où? Sa femme est où? Il est à la maison. Eh bien, il faut venir. Ton mari prie là, c'est ton mari? Il prie? Il prie pas? Il boit? Il boit, hein? Il boit beaucoup? Hein? Ok. Le problème, c'est qu'il faut lui dire de la part du Seigneur. Sébastien, Dieu a donné son prénom ici. Il faut qu'il se repente, il faut qu'il se repente sincèrement. Parce que les soeurs de sa famille veulent le tuer par un accident, deux choses, accident ou AVC. Et c'est très, très urgent. Il faut qu'il mette sa vie en règle rapidement. Vous êtes marié à la mairie? Pas encore. Bientôt, il faut le faire. Il faut vous marier. D'accord? Jeanne. C'est toi, Jeanne? C'est toi? Viens. Non, non. Là-haut, en rouge. Jeanne, tu es mariée? Ok. Tu as une maison? Hein? Hein? On a acheté un appartement. Vous avez acheté un appartement? Ok. Qu'est-ce que tu veux me montrer, Vasco? C'est quoi? Quand je veux revenir, notez bien. Hein? Je me permets, toi, on va revenir souvent. Accordez-moi encore quelques minutes. Hein. Comment tu t'appelles? Hein? Mayenda, tu aimes Jésus? Oui. Tu sais qu'il t'aime beaucoup Jésus? Regarde, tu vois cette maladie? Regarde bien. Comment? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Est-ce que tu nous crois? Amen. Ok, c'est bon. Les gens sont prévenus, d'accord. Et les étoiles, voilà. J'arrive. Tu vois ça? C'est la dernière fois. Amen. Repars, on fait les examens. Je ne veux pas te toucher. Comme tu vas voir. Et il faut que tu chantes beaucoup aussi pour la scène. D'accord? Ah, c'est toi là, c'est toi, Jeanne. Hein? Tu es baptisé? Dans l'immersion? Catholique, c'est pour cela que Dieu me dit qu'il faut qu'elle soit baptisée. C'est pour ça que je te pose. Quand je pose des questions, c'est parce que Dieu me dit des choses. Hein? Donc on appelle, on dit pour vérifier, c'est pas qu'on ne croit pas. En fait, il faut que tu sois. Tu as été consacré à Marie, c'est sans te rendre compte. Tu as été consacré à Marie. Tes parents sont quoi, catholiques? Ok. Maintenant, il faut le baptême par immersion. Ceux qui veulent le baptême, le vrai baptême, levez les mains. Ceux qui veulent se faire baptiser, venez ici. S'il vous plaît, venez. On va baptiser après, mais je veux que les clients nous prier pour eux. Amen. Fais bon, c'est les clients. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est... Okay. Mais il y aura, on va mettre un baptiseur là. Venez, on va prier pour vous. On acclame le Seigneur pour leur vie, le Seigneur, gloire à Dieu. Waouh, waouh, magnifique, Seigneur. Waouh, Dieu. Oh Dieu, magnifique. Waouh. Alléluia. Jesus. Regardez-moi ce que tu as fait. Jésus, Seigneur. Jesus. Vous voulez vous faire baptiser? Tous. Vous voulez suivre Jésus-Christ de Nazareth? Ouh, mes amis, là, tout ça, les matchs. Ouh, elle aussi. Eh bien, toi, ta maladie là, est partie. Parti au nom de Yeshua. C'est réglé. Oh, alléluia. Oui. Vous étiez catholique. Allez, les arracher d'entre les mains de Marie, là, au nom de Yeshua. Et comme c'est vous qui l'avez fait, et c'est seulement vous qui pouvez le faire, au nom de Yeshua, dans la prière, et ça va aller. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu va nous libérer de là, au nom de Jésus. Et toi, le jeune homme aussi, tu veux le baptême aussi?
Gloire à Dieu. Toi aussi, magnifique le Seigneur. Regardez-moi l'œuvre que tu fais. Alors à la fin, on les baptise aujourd'hui, hein, mon frère César. On va prendre aller voir Bernadette. Hein, à la fin, allez voir Bernadette et on baptise. Si moi-même je pense que je vais assister un peu au baptême. J'aime ça, je voulais voir les âmes de plus par le Seigneur. Nous allons aller vous asseoir et puis à la fin, allez voir Bernadette. D'accord? Quelqu'un veut être libéré ici. Dieu m'a parlé de quelqu'un ici. J'arrive pour vous. Hein. C'est pour ton appartement, tu sais que le problème, c'est qu'il faut que tu pries Jésus-Christ de Nazareth parce que à cause de cet achat, ça a amené beaucoup de choses dans l'esprit. La jalousie, tout ça. Donc, tu confirmes, hein? Oui. Donc, depuis que j'ai annoncé que je me mariais, toute ma famille en France ici Voilà. Donc, tu en souffres. Le problème, c'est que quand tu rencontres, vous faites des choses aussi, parfois, il faut demander au Seigneur. Je ne dis pas parfois l'appartement, mais il faut demander au Seigneur quand même quand on veut faire des choses. Donc là, ils ont dépêché un démon de mort pour te tuer. Tu entends? Ton mari, là. Il n'est pas là. À la fin, viens me voir là. D'accord? Et une dame qui était ici. Là. Voilà. Seigneur, merci pour cette dame. Qu'elle soit guérie au nom de Yeshua. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est bon. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Jésus. Il y a une onction prophétique sur elle. Oh Alléluia. Dieu va beaucoup servir d'elle comme. Oh Alléluia. Jésus. C'est l'onction prophétique. Jésus. Tiens-moi ça, c'est dans ça. Jesus.
nom Dieu peut faire quelque chose. Jésus-Christ, qui est ton Dieu, Tabitou, Poitiers. Tu la connais, c'est là? Ok. Eh bien, c'est réglé. C'est réglé. Ben, c'est bon. C'est réglé. C'est réglé. C'est bon. Tous ceux qui ont l'appel de Dieu là pour prophétiser, je prie. Oh, alléluia. Je dis que mon Dieu, je proclame, je crie, nous supplions notre Dieu qu'il vous accompagne. Vous allez rentrer chez vous avec le feu nouveau. Oh, alléluia. Jesus. Ah. Et il y a une gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Voici la gloire de Dieu là. Ça vient sur vos vies, vos ministères, au nom de Yeshua. Oh, alléluia, Jesus Christ. Waouh! Regardez-moi l'œuvre de Dieu ici, là. Mm-hmm. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Waouh! Que les hommes et les femmes de Dieu, que Satan empêcher de se lever pour faire l'œuvre du Père, que ces hommes et ces femmes soient enflammés par le feu du Saint-Esprit au nom de Yeshua. Je dis, je déclare ces paroles sur vous. Toi qui ne voulais plus de l'appel de Dieu à cause des souffrances, tu penses que tu peux fuir Dieu, voilà ce que Dieu te dit. Tu penses que tu peux me fuir toi, voici ma puissance sur toi là où tu es, voici l'onction du Saint-Esprit sur toi, et que tous les prophètes qui sont ici là, que l'onction vienne sur vous là maintenant dans le nom de Yeshua. Que toutes les prophétesses, que tous ceux qui sont appelés à évangéliser, je dis que l'onction de l'Esprit de Dieu, maintenant, oh Dieu de gloire, tous ceux qui sont loin de l'onction des lits là, amenez-les-moi là, tout ça. Là. Oh, toi également, la jeune femme, voici l'onction sur toi, le nom de Yeshua. Waouh, 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 waouh. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi cette personne là, aidez-moi cette personne. Vous êtes malade, asseyez-vous deux secondes là, vous êtes malade. Il y a une onction qui vient pour briser quelque chose ici là. Et ensuite, on va continuer à prier pour les malades. Au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Waouh, c'est de là. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Il y en a, ils ont dans leur bouche. Ils ont la trompette de Dieu. Ah! Voici le front. Aidez-le. Ah! Oh! Aidez-les, aidez-les. Le peuple du livre, il y en a, ils ont reçu le rouleau aujourd'hui, le rouleau. Voici le rouleau au nom de Yeshua. Aidez-les au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Waouh. Il y a des hommes là-bas, là. Il y a des frères là-bas que Dieu a appelés comme des ministères d'Élie au nom de Yeshua. Il y a des hommes, des femmes à qui Dieu va, n'est-ce pas, demander de se lever et de parler de sa part, de lever, n'est-ce pas, de hausser leur don, leur voix, de pouvoir crier contre le péché des nations au nom de Yeshua. Dieu vous a établi, personne ne peut vous enlever de là au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire! Oh Dieu! Voilà! Aidez-la, il manque sur elle. Aidez-la, il manque sur la main de Yeshua. Aidez-la, au nom de Yeshua. Voici la puissance de Dieu ici, la main de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Voici la puissance de Dieu sur toi. Oh Dieu de gloire. Voici la puissance de Dieu. Aidez-la. Voici la puissance sur toi. Voici la puissance du Saint-Esprit sur toi. Oh, Dieu, la paix. Oh, alléluia, alléluia. Jesus Christ.
garde manteau sur vous deux là, Sylvain et Luis. Dieu voit votre fidélité. Dieu voit marcher tous les deux, marcher, monter, 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 monter avec des chars de feu. Ce que Dieu va faire, ça va vous choquer, ça va vous surprendre. Vous allez à peine ouvrir la bouche que les démons vont commencer à se manifester, que la gloire va commencer à tomber sur les gens. Je prie que Dieu que je sers, que le manteau qu'il m'a donné, j'ouvre mon cœur devant son trône, qu'il vous l'accorde dans le soir. Et tous les gens qui travaillent avec toi, Sylvain également, qui sont là, qui sont sincères, je prie pour vous que l'onction de l'Esprit vienne sur vous, au nom de Yeshua. Pour la bourrée, pour la bourrée, pour la bourrée, pour la bourrée. Là, l'onction, ici, là. Aidez-les. C'est la puissance de Dieu. Oh, et une onction prophétique sur toi qui sera la puissance de Dieu. Aidez-la. Dieu vous donne du lait. Dieu vous donne à donner du lait à son peuple. Il vous donne à donner du lait. Dans cette assemblée, il y a une onction prophétique ici. Les sorciers ont été envoyés pour détruire l'œuvre ici. Il y a eu une réunion de sorciers de la ville, de la région, pour éteindre le feu du réveil que tu as allumé ici. Et Dieu me dit de dire ceci. Il a choisi cette ville. Il a choisi cette contrée pour allumer le feu du réveil. Et Dieu me dit, c'est comme un centre de la réformation. Je vous dis, au nom de Yeshua, je vois. Écoutez, des missions seront envoyées. Vous allez beaucoup partir là. Julie, préparez-vous tout ça là. Vous allez beaucoup partir. Les Antilles, ça c'est que le début. C'est une porte qui est ouverte, tout ça là. C'est une porte qui est ouverte et les nations sont ouvertes. Les portes des nations sont ouvertes au nom de Yeshua. Jesus. Guyana, Guyane. Le Seigneur rappelle encore la prophétie qu'il vous a donnée ici là. Il vous redonne encore. Il vous donne encore l'Amérique latine. Un décret est signé au nom de Yeshua. Les Guyanais, ceux de la Guyane, de Guyana, levez les mains. Le Seigneur me dit de vous dire que il y a des onctions qu'il a mises sur vous. Les puissances territoriales de vos pays, de vos pays, là, tout ça, Guyana, Guyane, seront renversées de plus en plus. Voilà pourquoi il vous met ensemble comme ça là. Il y a des missions qui seront effectuées au nom de Yeshua. Et effectivement, début janvier, tout ça là. Nous allons aussi financièrement participer à cette mission au nom de Yeshua. Les missionnaires, vous allez partir au nom de Yeshua. Et Dieu t'a donné ce bâton-là pour aller ouvrir, pour ouvrir des portes au nom de Yeshua. Oh, alléluia, Jesus. Et de là, Jesus. Oh, alléluia. Oh, cours ici, la jeune fille. Viens ici. Oh, alléluia. La voici pour toi. Oh, alléluia. Ta part, ta portion, viens jeune homme, viens, fais des larmes, viens. Oh, on est en train de t'habiller là, l'ennemi va envoyer des femmes, tout ça là, mais Dieu te dit, fais attention parce que mon appel est sur toi là, nous disons. Oh, les loups, oh, son jumeau est où là, son frère est où là, je veux le voir, une onction là pour vous là. Oh, alléluia, Dieu va toucher encore les parents là, Dieu va toucher encore les parents, là, Dieu chaud, notre Seigneur le Sauveur. Des sentinelles à la prière au nom de Yeshua. Waouh. Donc sur les deux là, mes amis là. Waouh. Tu la veux encore là? Merci. Ah, c'est que c'est le nom de Yeshua. Waouh. Waouh. Je ne peux pas partir avec cette onction en Yeshua. Oh, alléluia. Oh. Waouh. Wow. Si à ta maman, le Seigneur a entendu ses pleurs par rapport à ta famille, là. Le Seigneur a entendu ses pleurs en Yeshua. Je vois toute la famille entrer dans la barque, tout ça là, en Yeshua. Entrer dans l'arche, en Yeshua.
Et Maurice, je dis, il a purifié encore son sang, purifié tout le nom de Yeshua. Dieu l'a établi au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Venez, les deux là, venez. Les trois, venez, venez. Toi aussi. Et des larmes, l'onction sur elle. Et des larmes, l'onction sur elle. Oh, alléluia. Waouh, waouh. Il y a quelqu'un ici qui prophétisait beaucoup là, qui est comme étouffé là, il y a une notion prophétique là, aujourd'hui là, le Seigneur te dit là, tu vas beaucoup parler. Dans ta bouche là, tu as mis des. Waouh, a mis des rouleaux. Amène-le-moi. C'est pas parce que tu travailles dehors là-bas, hein, que Dieu ne pourrait pas. Non, mais attends, le Seigneur t'a vu. Hein? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Il y a une onction d'évangélisation là sur toi, là, prophétique. C'est ce type d'onction que Dieu lui a donné. Toi, le Seigneur, mais oh mes amis là, moi je. On allume le feu et on s'en va, hein, on vous laisse avec le. Jesus Christ. Oh, alléluia. Jesus. Mm-hmm. Jesus. Oh, la machine. Et l'œuvre, voici l'onction du Saint-Esprit. Oh, voyez même dehors, hein, l'onction qu'il y a ici là, mes amis là. Oh Jesus. Oh, alléluia. Mm-hmm. Abandonner l'impudicité, levez les mains s'il vous plaît, il y a beaucoup d'impudicité ici, je vois, venez, c'est bon, il y a une onction collective, tu as tout à fait raison, effectivement, tu as tout à fait compris, alléluia, gloire à Dieu, oh, alléluia, Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Les hommes donnent la joie. On donne de la joie. Non, le choix. Quitte-la. Sors d'elle. Sors, je dis. Quitte-la. Tu es obligé de partir au nom de Yeshua. Tu veux avoir une impulsité? Ah, c'est bien, je m'en vais. Oh, Yeshua. Bien. Toi aussi? C'est bien. Qui veut abandonner la sorcellerie? Qui n'en veut plus? Qui lève la main? Au nom de Yeshua. Ah oui, le Seigneur. L'impudicité, c'est ça? Oh, Dieu. Merci. Toi, pareil? C'est bien. Toi aussi? C'est bien. Bien. Merci. Quel âge as-tu? 18 ans. Seigneur, que sois libéré de ce démon de Yeshua. C'est péché. C'est bon, c'est réglé. Garde ton corps jusqu'au mariage. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Qui d'autre? Toi aussi, non, c'est bien. C'est toi qui es assis là? Tu vois, je te regardais. Parce que le Seigneur t'appelle. Parce que le Seigneur t'appelle à son service pour le servir, tu vois? Il est temps maintenant que tu es baptisé, pas encore? Catholique? Hein? Non, hein? C'est sa maman? D'accord. Merci. Alléluia. C'est bon. Et une femme stérile. Depuis plus de 3 ans, tu cherches à avoir un enfant et tu n'en peux plus. Bien. Condamné. Bien. Ça va? Voilà. Tu penses que le Seigneur peut te guérir? Tu penses ça depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans.
qui est venue à Ivry avec cette, ce type de béquille, elle est repartie. Elle a dit non, j'en veux plus. Et là, ben, c'est bon. Le Seigneur te console. Amen. Oh Seigneur, merci Seigneur. C'est quoi? C'est bon. Marc, qui connaît Marc ici? La Marc, je parle de Marc. Marc. Qui a Marc ici? Il y a Marc ici là? Hein? Ah ah. Non, mais là-dedans. Il y a plus Marc là-dedans. Ok. Ton cousin, c'est ça? Comment? Viens. Merci Seigneur. Je sais pourquoi je te touche là. Je te dirai là par rapport à Marc. Ah oui, oui, merci. Merci, merci. Merci. Ah oui. D'accord. Tenez-vous par la main. Tenez-vous par la main. Tenez-vous par la main. Qui veut travailler dans l'onction du Saint-Esprit? Ça va, jeune fille? Quel âge as-tu? 16 ans? Ok. Viens me voir. Tu sais que Dieu t'appelle? Je te mettre à part la sanctification de Dieu. D'accord? C'est important. Vraiment, tu te mettre à part. Aucun homme ne touche ton corps jusqu'au moment. D'accord? Parce que le Seigneur a mis quelque chose de particulier sur toi. Je te vois comme un grand médecin pour soigner les gens. Je veux être le médecin du Seigneur. Dieu me dit qu'il veut se révéler à toi comme ton papa personnel. Car tu as besoin de l'amour du Père. Dieu veut être ce papa dont tu as besoin. La première fois que je te vois, Dieu te connaît. Tu vas être un médecin. Si tu crains Dieu, tu vas être un médecin qui va soigner les pauvres. Tu vas beaucoup voyager dans les pays pauvres. Tu vas beaucoup voyager en tant que médecin pour soigner les gens. C'est ce que Dieu me dit de te dire. D'accord? Tu veux faire quoi comme étude? Oh Dieu. Voilà l'orientation que Dieu te donne. Ton papa est où? Ok. Et ta fille? Depuis qu'elle était dans le ventre, dans ton ventre, le Seigneur a mis sa main sur elle. Elle va dans le futur, c'est à craindre Dieu, travaille dans une organisation internationale. Et beaucoup voyager pour le Seigneur et en même temps pour son travail. Et comme une paire, vraiment beaucoup prier avec elle. Parce qu'en même temps, l'ennemi va vouloir beaucoup l'attaquer. D'accord? Alors préserve-toi dans la prière. Au nom de Yeshua, le Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de diabète ici, que le Seigneur a guéri. Une personne a une insuffisance rénale. Que le Seigneur aussi vient de guérir. Une personne qui est dialysée, que le Seigneur aussi vient de guérir au nom de Yeshua. Il y a une personne qui est venue et qui a dit au Seigneur ce matin en priant, je veux vraiment que tu me parles personnellement, que tu me confirmes. Oui, cette prière est montée devant le trône du Père. D'accord? Mon fils, au lit, te dit le Seigneur. Merci Seigneur. Tu n'es pas venu en vain. Merci.
la prière que tu as faite ce matin, que je ne l'entends plus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et la vanne sera touchée au visiteur. Merci Seigneur. Merci. Vous savez, une de ces prières que Dieu vient de me montrer, c'est qu'une réunion de réveil soit organisée à la vanne. Et cette réunion de réveil était tellement combattue. Cette nuit, un esprit de mort est venu m'attaquer. Ce matin, je me suis réveillé, du Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que je sais que je ne mourrai pas tant que ta mission n'est pas finie. Amen. L'ennemi ne veut pas vous voir libéré. Croyez-moi. Amen. Le Seigneur dit l'onction qui manquait à ton ministère, tu la reçois aujourd'hui. Merci Seigneur. Bien, qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Que Dieu mette aussi sa grâce sur sa vie. Mène-moi cet homme. Silence. Oh, Jésus. Jesus. Oh, Jesus. Lève-toi. Tu le connais? Dieu dit, il sera comme Timothée. Il va recevoir encore une formation après. Dieu va l'envoyer à bouger ici et là. Il va aller sur les marchés. Beaucoup dehors. Hein? C'est ça? On va dire, c'est un fou, mais qu'est-ce qu'il lui a? À partir d'aujourd'hui, mon frère Oli, tu seras étonné de voir quand tu vas parler comment l'onction va se manifester dans la bouche. C'est bon. Jesus. Là, c'est une douceur là-dedans. C'est pas qui a appelé? Ah bon? Ah bon? Bon, tout à l'heure. Allô, c'est pas bonjour? Allô? Allô? Ah. Ouais. Allô? On entend. Mais il faut lui dire seulement que c'est réglé. Il y a une onction que j'attends. Il y a une onction que j'attends. Je vous dis, Dieu nous attend. C'est comment Dieu marche avec moi. Oh, Jesus. On vient pour déposer. Tu vas pouvoir lire, hein? Tu vas pouvoir lire sans lunettes. Hein? Jesus. Qui sont ceux qui veulent lire sans lunettes? Touchez vos yeux. Jesus. Cataracte, tout ça. Je chasse vos maladies des yeux au nom de Yeshua. Maintenant, que vos yeux s'ouvrent au nom de Yeshua. Maintenant, au nom de Yeshua. Que mon Dieu vous guérisse au nom de Yeshua. Commencez à lire maintenant. Dès que vous arrivez à lire, la levez vos mains. Voilà. Jesus. Voilà. Le Père. C'est bon. Commencez à lire. Dès que tu arrives à lire, là, levez les mains. Regarde, là où tu avais mal, là où tu avais mal, en venant ici, à cet endroit-là. Dès que tu sens que le mal est parti, tu lèves ta main. Voilà. Oh, Saint-Esprit, merci. T'as plus mal? Bah, viens me voir, s'il te plaît. Tu avais mal où? Au genou, c'est vrai. T'as plus mal, là, c'est bon? C'est sûr, là? Oui. On peut acclamer le Seigneur, c'est magnifique, ça. Oh, oui, c'est bon, c'est bon. Tu avais du diabète. Ouais, je parle au passé, c'est bon, c'est fini. Tu entends mal. Ah oh, ouais, t'as des appareils, ouais, ouais. Bah, tu peux les enlever si tu entends normalement, tu peux les enlever. Bah, tu peux les enlever, Jésus. Waouh. Wow. T'avais mal partout. Jusqu'à maintenant, viens. Sorcellerie familiale, ouais. Commencez à lire, c'est un ordre que Dieu vous donne. Hein. Lisez sans lunettes. Le cou, tout ça là.
Alors je vais vous donner un verset à lire sans lunettes. Psaume 23. Non, ça vous le connaissez. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 3. Tu prends ta Bible, tu commences à la lire au nom de Yeshua. Et c'est bon. C'est bon? Quand tu fais ça, là, t'as mal. Tout craque. Avant, tout ne va plus craquer là. Donc, je dois t'en prier pour vous. Là. Qui prie le Seigneur pour travailler dans l'onction du Saint-Esprit? Là, vous priez pour ça? Levez vos mains ici. Magnifique le Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu du Seigneur. Le Seigneur ouvre vos oreilles spirituelles, ouvre vos dons de l'esprit au nom de Yeshua. La prière, l'esprit de prière, intercession. Magnifique. C'est réglé pour toi. Servir. Pour parler en langue. Qui sont ceux qui veulent parler en langue? Ah bon? Ouais, venez, on va prier pour vous. Hein, on parle, vous recevez le parler en langue. Vous croyez que vous allez le recevoir? Ben, venez. Énorme. Libérez cette place là, s'il vous plaît. Énorme. Waouh. Regardez-moi ces hommes et ces femmes qui ont soif de Dieu. Levez vos mains. Là. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut prier pour ces personnes?
Dieu, frères et sœurs. Frères et sœurs, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Il y en a qui veulent le recevoir, merci Seigneur pour ta grâce. Des langues se délichent, des prophètes sont établis, des évangélistes sont établis ici. Il y en a à qui Dieu demande d'ouvrir des blogs pour annoncer l'évangile, des pages YouTube pour diffuser la parole de Dieu. Tu demandes à Dieu de ce qu'il attendait de toi. Il te dit, ma fille, ouvre-moi ce blog. Tu dois enseigner ces femmes dans les nations. Tu es ma princesse, mon enfant. Voici mon feu sur toi. Voici mon onction sur toi. Voici l'onction du Saint-Esprit sur vous. Maintenant, toutes les femmes prophétesses ici, la face de Dieu sur vous. Toutes les femmes évangélistes que tu appelles pour évangéliser ici. Tous les hommes que tu appelles comme des combattants, des guerriers, pour annoncer l'évangile de feu. Oh Saint-Esprit, merci. Voici ta grâce. Mirabella. Voici tout ce temps. Kori la vache katabala la tabalaba laisha katabala. Kori la vache katabalaba laisha katabala. Kori balaba shala la bakala. Voilà comment tu es bon. Les sœurs qui viennent de recevoir le parlement de langue, c'est magnifique ce que Dieu fait. Magnifique, le Seigneur est magnifique. Kori la vache la bakala ba laisha katabala. Gloria bala vache katabala la tabala vache katabala. Kori vache katabala ba laisha katabala. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. 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 Corre la chica de bas, les chats. Corre la chica de bas. Corre la chica de bas. Magnifique. Le Seigneur est magnifique. 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 Ceux qui sont distraits là, mon passage, ne me regardez pas, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Il y a une gloire qui est là. Parlez à Dieu, s'il vous plaît. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Aidez-les. Aidez-les. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Oh, les voici la gloire de Dieu. Magnifique. Magnifique. Aidez-les. Oh, les machines. Voici la gloire de Dieu. Oh, my God. Aidez papa, maman, les choix.
Vous voyez comment Dieu est bon. Allez. Oh, tu es magnifique. Voici, tu l'as reçu. Waouh. Elle est où le Seigneur de gloire, cette puissance de Dieu? Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, reviendront au Seigneur. Mon fils, j'ai entendu tes pleurs, tes larmes. Aucun de tes enfants n'ira en enfer.
Je vous dis que je l'attendais. Je vous dis que je l'attendais. Je vous dis que j'attendais quelque chose. Mon Dieu ne me ment pas. Les prophètes se réveillent. Je vous dis, les prophètes se réveillent. Les prophètes se réveillent. Prophète, parlez. Prophète, prophétisez. Prophète, parlez en langue. Prophète, chantez. Prophète, proclamez. Prophète, annoncez. Aujourd'hui, Dieu me confirme qu'il vous a mis ensemble tous les deux. Restauration. Il vous restaure bien comme il faut. Jesus. Tu as reçu le parler en langue aujourd'hui? Jesus. Ça fait combien de temps que tu l'as demandé? Vous l'attendez? Au moins un an. Un an. Le Seigneur est bon. Hein? Voici, tout le temps je parle en langue. Oh, oh, my God. C'est bon. De loin d'où? De Beauvais. Regarde ce que tu te dis. Comment? J'ai entendu parler. Dieu me dit de te dire ceci. Une porte est ouverte devant toi. Je te vois habillé. Habillé en robe de mariée. Des enfants derrière toi. Dieu fait de toi une mère. Encore de plusieurs enfants. C'est ce qu'il veut te dire. Le Seigneur te dit, dis à ta famille que le temps de son désert est fini. Le temps de son désert est fini. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer les larmes de ta famille. Au nom de Yeshua. Dieu me dit, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai façonné. Au nom de Yeshua. Dieu te dit, veut te dire, un courrier arrive pour toi. Un courrier qui amène les bonnes nouvelles. Un courrier qui va vraiment réjouir ton cœur. Au nom de Yeshua, que je te vois signer un papier. Je te vois signer, tu vas signer. Le Seigneur dit, je te guéris, je te restaure, je te soigne. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh my God. Oh. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il y a quelque chose ici. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il y a quelque chose ici. Quelque chose ici. Ouvre les fenêtres. Ah oui, c'est dur. Excusez-moi, je vais vous dire. Elle couronne son doigt, tu sais là. Jesus Christ. Il y a un feu ici là. Il y a un feu ici là. Bravo. Aidez-moi ce séparé. Voici la puissance de Dieu. Au nom de Yeshua, oh Dieu de gloire, acclamez le Seigneur. Acclamez-le. Oh, oh, oh. Waouh, waouh, waouh. Regarde, le mal que tu avais est parti là, regarde. Toi qui as mis ta foi en lui.
Oh. Oh. Oui, je te dis, tu n'as pas fini d'accomplir ta mission. Je te demande de l'accomplir. Tu n'as pas fini d'accomplir ta mission. Il reste une guérison. Je te l'ordonne. Tu n'as pas fini de l'accomplir. Accomplis ta mission. Donne-lui cette guérison. Avance-toi vers elle. Dieu est le Dieu qui façonne. Avance-toi vers elle. Au nom de Yeshua. Avance-toi vers elle. Alléluia. Amen. Je te le recommande. Qui croit que tu es Dieu? Amen. Je suis ton père. Je suis ton père. Dieu. Je suis ton père. Et mon père. Avance-toi. Alléluia. Avance-toi. Dieu est mon père. Donc, tu n'as pas fini ta mission. Tu n'as pas fini ta mission. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus. Asseyez-vous, asseyez-vous. On a presque fini. Péché là. Vous pensez que le Seigneur peut libérer nos sœurs? Alléluia. Les deux, vous pouvez prier pour elles, s'il vous plaît. Ceux qui ont reçu le parlant de langue, levez les mains un peu. Aujourd'hui. Tu l'as reçu aujourd'hui aussi. Viens me voir. Ça fait combien de temps que tu l'attendais, ces gens? Vous ne croyez pas en fait? Sérieux? Vous pensez que c'est n'importe quoi? Et aujourd'hui, ta langue, toute seule. Qui d'autre l'a reçu aujourd'hui? Vous l'avez reçu? Oh, oh, ça, venez s'il vous plaît. Oh, Dieu travaille, hein. Tu l'as reçu aussi, hein? Mais tu as parlé avant tout à l'heure. Tu l'as pas reçu aujourd'hui? Alléluia, gloire à Dieu, ça fait longtemps. Tu l'as reçu aujourd'hui? Sérieux? Dieu, magnifique. Alors, comment? Et avant, mais là, il est parti. Et là, il est revenu. Ah ben, gloire à Dieu, magnifique le Seigneur. Et toi? Hein? Tu l'as pas demandé et tu l'as reçu aujourd'hui. Tu étais là-bas? Tu n'étais même pas venu devant. Comme Médad et Eldad dans la Bible, ils l'ont reçu dans le champ, hein, dans un champ. Qui l'a reçu aujourd'hui?
Oui. Je veux bien parler en langue. Tu veux bien parler en langue? Pays, on peut pas montrer pour vous parler. Viens. Elle veut bien parler en langue. Et au pays, on leur a appris comment parler en langue. Mais jusqu'à ce jour, toujours pas. Dedans. Et elle aimerait bien parler en langue. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Nous sommes l'église, hein, on peut prier pour elle. Qui arrive à lire sans lunettes? Toi, ma soeur? Toi, ma soeur? Mais pourquoi tu as remis tes lunettes alors? Vous ne parlez pas de remettre? Prions pour elle, pour qu'elle ressorte ce bon. Gloria, 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 gloria. Oh, alléluia. Voilà, tu parles en langue d'or. Magnifique. Magnifique. Vous êtes béni. Magnifique. Wow. Magnifique. 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 Alléluia. Magnifique. Vos noms sont écrits aujourd'hui dans le livre de vie au ciel. C'est glorieux. C'est beau. Qui d'autre? Gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Magnifique. Magnifique. Toi aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel âge as-tu? 14 ans. Waouh. Waouh. Vous pouvez pour eux. Magnifique. Merci Seigneur. Toi aussi. Quel âge as-tu? 8 ans. Oh mon grand. C'est bien. C'est bien. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que tu peux prier de toi? Magnifique. Bénissons le Seigneur pour les gens qui viennent de loin, qui viennent pour nous encourager. On est beaucoup encouragés par votre présence. Y a-t-il des gens qui viennent de Lyon ici? Non. Ah, et une main levée là-bas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut simplement se lever pour rendre grâce à Dieu, s'il vous plaît? Bénissons tous le Seigneur par rapport à tout ce qu'il fait. Et nous savons qu'il a fait beaucoup de choses dans nos cœurs, dans nos vies. Bénissons-le pour cela au nom de Jésus.